de porter cette charge et
de prendre la charge et d'aller déposer quelque part où on peut lui dire de porter uniquement la charge tout au long de sa vie. Et cela dépend de celui qui confie la charge. Parce qu'il y a la charge confiée dans le sens de faire de quelqu'un esclave, et il y a aussi la charge confiée dans le sens de faire de quelqu'un un homme mature. Et nous allons comprendre. Quand on parle de fardeau, on trouve en même temps charge, on trouve poids. Et la charge a plusieurs définitions dans la parole de Dieu. Et nous allons parler de cette définition de la charge. Dans la poursuite de l'enseignement, nous allons aussi parler de comment un serviteur de Dieu doit se comporter dans l'exercice de son ministère avec ou vis-à-vis du peuple sur qui il a été établi ou du peuple qu'on lui a confié. Alléluia. En tout cas, le Saint-Esprit lui-même va nous conduire et va nous orienter pour la gloire de son nom. Alléluia. Vous allez me prendre le livre de 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Lorsque le ministère devient une charge. C'est une parole de l'apôtre Paul qui va nous inspirer, qui va nous permettre de commencer. Un Corinthiens 10, verset 13. Le micro ne marche pas bien. Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Pourquoi? Parce que vous êtes humain. Vas-y. Et Dieu qui est fidèle. Et Dieu qui est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pour vous. Non, c'est bon. On dit Dieu ne vous donnera ou Dieu ne vous s'attribuera une tentation qui soit au-delà de vos forces. Ici, on va parler par le cadre de la charge ou du fardeau. Dieu ne te donnera un fardeau qui soit plus fort ou plus grand que toi ou que tu ne puisses porter. Ça veut dire quoi? Dieu va te donner un fardeau que tu peux garder et que tu peux porter lorsqu'il t'appelle à le servir. D'où nous devons comprendre que le ministère avec Dieu, dans le service de Dieu, n'est pas quelque chose de pénible. Lorsqu'on commence à voir le ministère comme étant pénible, là, on commence à dérailler du droit chemin ou de la volonté de Dieu. Parce que Dieu lui-même sait que lorsqu'il nous confie quelque chose, lorsqu'il nous confie une tâche, lorsqu'il nous appelle à une œuvre ou à une fonction dans sa maison, au préalable déjà, il nous avait averti ou il nous avait déjà préparé à cette fonction ou à cette tâche. Donc, c'est juste une transmission de ce qu'on nous a déjà annoncé ou de ceux dont nous connaissons ou nous avons connaissance déjà. On peut ne pas te le dire directement, tu peux ne pas entendre une voix au Dieu de Dieu, mais dans ton subconscient, dans ton esprit, tu es déjà apprêté et tu es conduit pour conduire ou pour exercer un tel ministère ou une telle fonction avec Dieu. Donc celui qui commence à voir le ministère comme étant pénible ou comme étant une charge est quelqu'un qui a un problème. Et ce problème, il doit le régler. Et nous allons comprendre comment est-ce que le ministère devient pénible
Et pourquoi, quelles sont les raisons qui font que le ministère devient pénible et comment y remédier à cela? Dieu t'a appelé à le servir. Mais dans le service, tu as bien commencé. Et arrivé un moment, tu sens des difficultés. Tu sens comme une barrière et tu ne peux plus avancer. Ou même déjà au début de l'appel, tu sens comme une grande montagne qui est devant toi. Ou encore dans l'exercice, tu fais l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu commence à être pour toi quelque chose qu'on t'a confié et que tu ne devais pas faire et que tu dois fuir. Ça devient très pénible, très dur, très difficile, très fort plus que toi. Et parfois tu commences à te poser des questions, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a réellement appelé? C'est arrivé à beaucoup de personnes dans les Écritures. C'est arrivé à beaucoup de personnes dans l'histoire biblique, dans l'histoire de Dieu, avec ses prophètes, avec ses serviteurs que nous avons connus. Et nous allons prendre tous ces exemples et nous allons voir l'erreur que chacun a commis. Parce que dans tout ça, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme qui commet des erreurs, qui le rattrape après. Le ministère étant une charge, ici, veut dire que Dieu nous confie quelque chose que nous devons faire. C'est comme un rouleau qu'il faut dérouler. Et dans le rouleau, on nous présente tout ce que nous devons faire. Et dans le déroulement du rouleau, comme nous avons mis, ou bien du livre, comme nous avons mis, on est en train de mettre dans les airs tout ce que Dieu avait écrit déjà au ciel, depuis toujours, sur notre vie, et qui doit s'accomplir en un temps record ou dans une génération. Et Dieu connaissant toute chose, nous introduit dans cette génération pour que nous puissions l'accomplir. Donc, contrairement à la charge ou bien au fardeau, dans son sens étymologique, où c'est quelque chose de lourd, un poids qu'il faut porter, qu'il faut se charger, le ministère que Dieu nous confie n'est pas un poids qui nous dépasse, ou n'est pas une charge qui nous dépasse, mais c'est un poids que Dieu donne à chacun selon la mesure qu'il peut garder, qu'il peut supporter, ou selon la mesure dont il est capable de tenir. Ça veut dire quoi? On te donne le ministère parce qu'on sait que tu peux le faire. On te donne le ministère parce qu'on sait qu'en réalité, tu peux accomplir ce ministère. Donc Dieu ne te donne pas un ministère que tu trouves difficile à accomplir. Si tu trouves cela difficile à accomplir, il y a des barrières que toi, tu t'es posé devant. C'est un vrai ministère auquel tu t'as appelé. Mais toi, tu trouves ça difficile. Ce n'est pas Dieu qui t'appelle à quelque chose qui est difficile. Dieu ne nous a jamais appelé à exercer une fonction dans sa maison pour un ministère qui soit plus grand, qui soit plus géant que nous. Mais tous les hommes que Dieu appelle se trouvent confrontés devant une hypothèse. Parce qu'ils se sont déjà forgés beaucoup de choses dans les têtes et ils ne se sont pas préparés pour affronter la réalité du ministère. Mais Dieu, connaissant toutes choses, avait déjà préparé leur esprit, les avait déjà préparés dans le secret, dans l'ombre. Mais ils ne savaient pas et ne discernaient pas les temps de préparation de Dieu. Alléluia. Par cet enseignement, plusieurs écailles de tes yeux vont tomber. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu avais assez de problèmes dans l'exercice de ta fonction, ou même quand tu entends le ministère auquel on t'a appelé, tu veux te défendre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas réellement ce que cela veut dire et ce que Dieu attend de toi. Nous allons toujours écouter l'apôtre Paul dans 1 Timothée 3, où il parle du ministère étant une charge. Le ministère est une charge auquel Dieu appelle des hommes à le servir ou à faire quelque chose pour son honneur ou pour sa gloire. 1 Timothée 3, verset 1er. 1 Timothée 3, verset 1er. Vous commencez par le verset 1er. À partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Et il dit, cette parole est quoi? Est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ce qui m'a dit ici, c'est la charge de l'évêque. Si quelqu'un désire ou bien aspire à être évêque, il est en train de désirer quelque chose
de décernant qui est une charge qu'il doit porter. Ça ne dit pas, chacun, Dieu lui donne une charge. Il lui remet, je peux dire, Isaac, il lui remet une autre charge qui porte un autre nom. Il remet à mon frère une autre charge de l'homme, Jérémie. Il remet à Osée aussi une autre charge. Il remet à Joseph une autre charge. C'est comme ça qu'il travaille. Et vous n'avez pas les mêmes charges. Il vous a donné différentes charges que vous devez garder et que vous devez porter. Donc chacun doit savoir en esprit quel est le contenu de la charge qu'on lui a confiée, de la charge qu'on lui a donnée. Donc le fait déjà même d'aspirer un homme de Dieu, c'est un peu d'accepter porter une charge. Et nous devons savoir que cette charge, dans l'esprit de notre Seigneur de ce soir, ne nous dépassera pas, ou ne sera pas plus grand que nous. On peut venir dans un enseignement, on va vous dire que la charge du ministère dépasse l'ordre. Ça dépend de l'orientation du message qu'on vous donne. Et c'est en ce moment qu'on va vous enseigner que ce n'est pas le Saint-Esprit que vous pouvez faire pour prendre le ministère. Vous comprenez? Donc, sachez que c'est dans un esprit que je suis en train de donner l'enseignement. Et sous un ordre spirituel et dans une orientation précise pour que vous puissiez mieux vous situer et pour aussi corriger un problème qui n'est pas né par vous, mais qui date de très longtemps et qui va toujours se perpétuer à cause de l'ignorance de certains hommes de Dieu qui n'ont pas été préparés à l'évidence ou aux réalités du ministère. Alléluia. L'apôtre Paul est un exemple parmi tant d'autres. Un exemple ou un modèle de ministre qui, dans son ministère, a montré son développement, a montré son zèle et a prouvé combien de fois il est capable de faire ou d'accomplir la tâche et le ministère qu'on lui a confié. Et c'est lui qui parle assez de charges, de charges, de charges, de charges. Nous allons continuer, nous allons poursuivre. Et nous allons prendre encore 1 Corinthiens 1. 1 verset 5 pour Paul est en train de signifier qu'il a été appelé comme ayant reçu du Seigneur une charge qu'il doit porter, transporter et qui lui est donnée pour accomplir quelque chose. Oui. Il faut transcrire en même temps les paroles fortes. J'ai sorti quelques paroles fortes, des hypothèses que j'ai posées pour vraiment les mettre. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais aller un peu plus loin. Tout ce que j'ai ici, c'est beaucoup. Donc, même si on ne finit pas, vous êtes presque pas aussi le mot. 1 Corinthiens chapitre 1. Oui. Verset 25. Oui. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Non, attendez, ce n'est pas ça. Prenez 2 Corinthiens, je vous le dis. Excusez-moi. Ça s'arrête au chapitre 24. Ok, c'est bon, dites-moi le verset, mais je pense que ce n'est pas le verset, mais dites le verset de l'autre. Ah, je me suis. Oui. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre. Non, ce n'est pas ça. Ça doit être Colossiens. C'est Colossiens 1, verset 5. Lisez Colossiens 1, verset 5 pour voir. Ça doit être Colossiens 1, verset 5. C'est Colossiens 1, verset 5. Colossiens chapitre 1, verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu... Oui, c'est bon, merci. Ce que vous voulez, c'est bien. Paul connaît ce
qu'on lui a dit de faire, il connaît le déroulement de son ministère, il connaît la charge, il connaît ce qui est devant lui. Et c'est pourquoi il défendait son ministère. On va aussi vous apprendre à défendre votre ministère. Parce que l'homme de Dieu défend son ministère, il le défend par plusieurs manières, il ne défend pas les œuvres qu'il accomplit. Il le défend aussi par le silence, mais par l'accomplissement de la tâche. Il le défend aussi quand il faut parler, il parle également. Donc, si quelqu'un ne connaît pas la tâche qui lui est attribuée, ou ne connaît pas le déroulement de son ministère, il va trouver le ministère comme une charge, mais n'étant pas une charge que Dieu lui confie, mais étant un fardeau ou quelque chose de pénible. Qui doit porter, qui doit transporter. C'est en ce moment qu'on fait ou on exerce le ministère, mais on ne produit pas des fruits dignes d'un ministère authentique. On fait le ministère, mais on le fait malgré nous, parce qu'on trouve le ministère comme étant un poids que Dieu a mis sur nous, que Dieu a déposé sur nous. L'apôtre Paul ici, lorsqu'il parle de charge, il ne parle pas de charge dans le sens où c'est un poids. On a mis, on a placé celui qui ne peut pas transporter, mais il parle de charge, comme étant une responsabilité, comme étant un appel à la maturité ou à conduire un peuple ou à transmettre un savoir, à transmettre une éthique ou à transmettre quelque chose de différent dans sa génération. Donc ça veut dire quoi? La charge peut paraître différente à certains niveaux. Toi, tu peux voir la charge autrement. Tu peux voir la charge aussi autrement. Certains voient la charge comme étant une responsabilité. Et c'est ce que Dieu lui-même a fait. C'est ce que Dieu a décidé de donner aux hommes. La responsabilité qui est comme une charge. Mais d'autres, à cause du fait qu'ils ont peut-être commencé le ministère sans la volonté de Dieu ou sans l'accord de Dieu, voient la charge comme étant un fardeau. Il ne voit pas la charge comme une responsabilité que Dieu lui donne, mais étant un fardeau qu'il va transporter tout au long de sa vie. Parce qu'il faut savoir, le ministère, c'est le caractère. Et l'homme de Dieu l'avait dit, j'ai beaucoup aimé cela. Le ministère, c'est votre caractère. Et ça, ça tient directement à votre caractère. Et la personnalité aussi prend cela. Donc ça veut dire quoi? C'est pas quelque chose qui est changeable. C'est quelque chose qui reste sur toi pour toute la vie. Tu le portes. C'est comme une charge qu'on te donne et que tu vas transporter pour toute la vie. Qui reste sur toi. Maintenant, on voit en toi ce qu'on t'appelle. Tu as pour t'appeler. Ou ce qu'on t'a dit de faire. Parce que Dieu lui-même connaissant toute chose, a déjà mis le dépôt en nous avant notre naissance. Et c'est lorsque nous naissons et que nous connaissons Jésus que cet don ou cette fonction commence à se manifester. Parce que Jésus est la lumière qui vient maintenant nous éclairer et nous orienter sur ce que chacun doit faire. Donc lorsque le ministère devient pénible, devient un fardeau, il faut retourner ou bien il faut d'abord regarder le point de départ. Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Quelles sont les choses que j'ai faites et qui aujourd'hui me rattrapent pour que je trouve le ministère comme un fardeau? Beaucoup pleurent parce que c'est trop tard. Ou arrivé à un moment, ils s'arrêtent et ne peuvent plus continuer. Parce qu'ils trouvent que l'œuvre de Dieu est difficile. Est-ce que ça a été avec lui ici fois? Ou ils trouvent que l'œuvre de Dieu est difficile et dur? Alléluia. Le Seigneur va vous fortifier, va vous délivrer par l'enseignement. Et si vous appliquez les conseils réellement que je vais vous donner et les instructions que je vais vous donner, vous allez voir que le Seigneur va faire une grande chose avec vous. Parce que c'est aussi des choses que nous aussi nous avions vécues. Parce qu'on n'enseigne rien sans l'avoir vécu. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit aussi dans 1 Corinthiens 9, verset 16, il dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Paul trouve cela tellement comme une nécessité, comme une charge qu'on lui a donnée. Quand il poursuit, il parle de la charge. Est-ce que vous pouvez me lire?
Lisez à partir du verset 17. Il nous parle qu'il reçoit le ministère comme étant une charge qu'on lui a confiée. Et il sait cela. Il sait que c'est quelque chose qu'on lui a donné. Et toute sa vie doit caractériser ce ministère. Oui, à partir du verset 17. En Corinthiens 9, à partir du verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Très bien. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Oui. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Maintenant, de quel type de charge voulez-vous parler ici? Il est de parler du fardeau qui est pénible. Donc, le même Paul a parlé de la charge que Dieu lui a confiée. Et il était fier de cela. Parce que dans les autres parties que nous venons de lire, il expose son ministère. Il a été appelé pour un ministère au païen. Et nous allons aussi comprendre quand est-ce que Paul a eu accès à cette connaissance. Parce que Paul, au départ, ne savait pas qu'il a été appelé pour exercer une fonction ou un ministère chez les païens. Dieu lui a dit, mais il ne le faisait pas encore. Il a reçu cela. Cela était en lui. Parce que par révélation, Jésus lui a paru. Il lui a dit qu'il sera une bénédiction, une lumière pour beaucoup de nations. Mais Pierre, Paul, était toujours retenu par ses pensées, par ce qu'il avait et par ce qu'il connaissait, ou par les réalités qui étaient devant lui. Parce qu'il y a aussi les réalités. Les réalités qui se trouvent devant lui. Et à cause de ces réalités, il s'est adapté. Mais finalement, le Seigneur l'a bien orienté et l'a placé réellement dans ce qu'il doit faire. Donc il dit, si je le fais malgré moi, ça devient une charge pour le confie. C'est comme, je vais donner un exemple. Quelqu'un à qui tu dois normalement donner quelque chose, c'est comme il mérite, il est digne de recevoir la chose. Tu dois lui donner, c'est pas sa chose, mais il mérite à cause du travail qu'il a fait, ou même à cause de la position qu'il occupe, tu sais qu'il mérite. Et tu dois lui donner cela. Mais cette personne commence à calculer, commence tout, chaque jour à te calculer que tu dois lui donner. Est-ce qu'on réclame ce qu'on mérite? On ne réclame pas ce qu'on mérite. Ce qu'on mérite, on le vient facilement. Parce que c'est pour nous. Donc quand cette personne commence à calculer, commence à te suivre partout, te dit donc ça, donne-moi. Sans que tu ne lui avais pas, sans qu'il n'était pas forcé que tu lui donnes, n'était pas obligatoire que tu lui remettes la chose. Mais seulement parce que tu l'as supplié que je vais te donner, cette personne ne te laisse plus. Vous étiez toujours ensemble. Mais comme tu lui as rien dit, il garde le silence. Mais depuis le jour où tu lui as dit, je vais te remettre, je vais te donner, cette personne devient au chou. Par qui te dit de lui donner? Est-ce que tu lui donneras encore avec ton cœur? Non, mais tu vas lui jeter, tu vas dire, prends, comme tu le prends, prends. Lorsqu'il va prendre, ces choses deviendront amères en s'en parce qu'il ne l'a pas reçu. Comme étant une bénédiction, que j'ai décidé, que tu as décidé de lui donner, mais il a pris comme étant un par force, comme étant un acquis dont on ne lui a pas encore accordé, qu'on ne lui a pas encore accordé. Donc c'est en ce sens que la porte est en train de parler. Ce n'est pas Dieu qui lui confie le ministère comme étant un fardeau ou comme étant quelque chose de pénible, mais lui-même, parce qu'il le fait malgré lui, parce qu'il ne l'a pas fait avec un bon cœur, il n'a pas accepté, entré dans le ministère avec un bon cœur, il n'a pas reçu cela, ou qu'il est entré par des motivations qui ne viennent pas du ciel, qui ne viennent pas du Seigneur, ou qui ne sont pas dignes, il trouve maintenant le ministère étant Dieu. Et quand il entre dans le ministère, il regarde en arrière. Or, on ne met pas la main à la charrue en regardant encore en arrière. Quand tu entres dedans, tu es entré dedans, tu as tout fait. Quand tu entres dedans, tu es entré dedans. Tu es en train de dire, c'est fini pour toi. On t'enterre, on te fait. Et on sait que c'est à vie et à mort. Nous nous sommes entrés dedans. Et on nous a enfermés dedans. Et on est dedans cimentés partout. Vous aussi, vous êtes entrés dedans. Et vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez même pas. Même si quelqu'un dedans, il peut partir, il peut aller, il peut partir. Finalement, on va lui tirer. C'est comme un enclos où le Seigneur nous a mis dedans. Et il mouille dedans avec cette personne. Donc personne n'a
en réalité le droit de sortir. Et la charge qu'il nous a confiée n'est pas une charge qui est pénible, dans le sens où nous ne sommes pas des esclaves qui sont malmenés ou qui sont maltraités, mais nous sommes des esclaves dans le sens où nous sommes soumis, où nous suivons le Seigneur, où nous avons reçu l'instruction de la part du Seigneur. Alléluia. Ça commence à dévoiler un peu, un peu, un peu. Nous allons voir dans Acte 1, lorsque on devait remplacer Judas, on a parlé d'une charge, et aussi lorsqu'on devait désigner des personnes qui vont servir étant des diacres ou des serviteurs, on a parlé aussi des charges. Parce qu'il y a une autorité, il n'y a qu'une autorité qui peut déléguer des pouvoirs, qui peut donner une charge à quelqu'un. Lisez-moi Acte 1, 20. Acte chapitre 1, verset 20. Oui. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentaient deux, Joseph appelé Barzabas, surnommé Justus, et Matthias. Mais ici, il était important de trouver un douzième ici. Pourquoi? Parce que Jésus avait choisi 12. Et les disciples savaient l'importance des 12 qu'il avait choisi. Parce que le chiffre 12 avait aussi son importance. C'était comme le symbole de la totalité, de l'ensemble que le Seigneur avait choisi. Donc le fait qu'il soit 11, il y a un pilier qui manque. Et il faut remplacer le pilier. C'est pourquoi les disciples ont pensez à ce qui a été écrit dans le livre des Psaumes. Parce que tout ce qu'on écrit est utile pour accomplir quelque chose, est utile pour prendre une décision. Il dit que quelqu'un d'autre prenne sa place. Et on nous a parlé également de la charge. La place ici représente la charge. Donc ce que Judas faisait, quelqu'un d'autre l'a pris. Et c'était Matthias. Quand il a charge, c'était l'œuvre de Judas, ce qu'il faisait auprès de Jésus. Il faut qu'il occupe sa place. Donc lui-même, il est préparé à ça. Et je pense très bien que les disciples, par le Saint-Esprit, ont pu choisir celui qui doit le faire. Parce que le Saint-Esprit connaissait toutes choses. Malgré que c'était un tirage au sort, le Saint-Esprit avait su choisir celui qui pouvait occuper cette tâche. Et lui, pas, on nous a dit que finalement, lui aussi, il a fait comme Judas, en trahissant les apôtres, mais il a été aussi fidèle dans toutes ses voies. Alléluia. Donc nous devons savoir que l'œuvre à laquelle on nous a appelé, le ministère auquel on nous a appelé, n'est pas difficile, n'est pas pénible. Si on comprend ça dès le départ, on peut exercer un ministère qui est authentique, peut exercer un ministère qui veut dans la réussite de Dieu, on peut exercer un ministère glorieux avec le Seigneur si on se débat sur ce point. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui se passe le plus souvent. Et il faut que je soulève cela. Il y a quelque chose qui se passe lorsque quelqu'un reçoit un appel de Dieu. Parce que nous tous, nous avons reçu un appel. Les appels ne se manifestent pas de la même manière ou de la même façon. Certains l'ont reçu quand ils étaient au champ, ils chantaient, ils cultivaient la terre, et quelqu'un est venu lui dire un seul mot où on est venu parler de Jésus. Il a vu un signe, quelque chose, et en même temps, il a su que Dieu a parlé. Quelqu'un dormait, et le Seigneur lui a parlé de le songe, je t'appelle, ou une vision flash. Donc, c'est des appels totalement différents, ou ça peut être des aspects qui ne sont pas différents, mais le moyen par lequel l'appel a été transmis n'est pas souvent le même. Donc, le problème que je veux soulever, c'est quoi? Quand Dieu t'a appelé,
au départ, tu n'es pas stable dans ce à quoi tu t'as appelé. Le service, est-ce que tu dois exprimer les bancs à l'église? Je ne sais pas. Est-ce que tu dois être celui qui doit garder le sang des hommes de Dieu? Tu ne sais pas. Est-ce que tu dois servir et être diacre? Tu ne sais pas. Est-ce que tu es pasteur? Tu ne sais pas. Est-ce que tu es prophète? Tu ne sais pas. Est-ce que tu es apôtre? Tu ne sais pas. Mais tu sais que je dois servir Dieu. Et tu commences le Dieu. Tu commences à servir Dieu. Et pour la plupart des cas, où pour ce qui vient souvent à l'esprit de tous, c'est que je veux être ceci, je veux être les deux à la fois, je veux être un prophète, docteur, je veux être apôtre, évangéliste, je veux être tel, parce qu'on se sent beaucoup mieux orienté vers cela. Et Dieu permet parfois, à cause des circonstances, c'est-à-dire à cause de ce qu'il y a sur le champ, sur le terrain, pour nous attribuer une fonction ou un ministère à cause de la réalité dans laquelle nous nous trouvons ou encore à cause de notre ignorance. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord de la volonté permissive de Dieu, j'ai aussi parlé de la volonté parfaite de Dieu. C'est la même chose qui s'est passée avec les disciples dans la Bible. Je vais vous donner un exemple. Et ça, je le dis souvent. Lorsque quelqu'un parmi vous se retrouve dans une région, et tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, tu es chrétien, mais tu n'as pas un ministère, tu es simple chrétien, mais tu as la passion de Jésus, tu as la passion de servir Dieu. Tu te retrouves dans un endroit où il y a beaucoup de prières, où il n'y a pas assez d'église, et Dieu se révèle à toi, il te dit, tu es mon serviteur, je t'appelle à me servir. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez, suivez-moi. Et il te dit ça. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire premièrement? Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? L'évangélisa. Tu vas commencer à évangéliser. À aller de lui. Pourquoi? Le besoin qui te fait sentir sur le terrain, c'est d'être l'évangélisation. Et Dieu va te laisser. Et Dieu va porter, tu vas dire, je suis un évangéliste. Et Dieu va te laisser porter le titre ou le nom de l'évangéliste. Et tu vas poursuivre. Mais Dieu ne sait qu'en réalité, tu n'es pas un évangéliste. Ça peut se passer que tu sois réellement un évangéliste. Ou même que tu n'es pas un évangéliste. Mais parce qu'au départ, tu étais confronté à un champ qui n'est pas déjà travaillé, qui n'est pas déjà fait, qui n'est pas cultivé. Il faut que tu cultives. Donc Dieu te soumet à cela et tu entres dans le service ou dans le ministère et tu commences à cultiver le champ. Tu commences à aller prêcher Jésus. Et comme c'est à cela que tu es confronté, l'onction de l'évangéliste va toujours se manifester et va t'accompagner. Or Dieu lui-même saura en lui-même que tu es un apôtre. Il a choisi. Mais puisqu'au départ, il faut évangéliser beaucoup. Et comme toi, tu crois que c'est les évangélistes, c'est ceux qui évangélisent qui sont en même temps les évangélistes, tu peux t'attribuer que tu es un évangéliste et tu vas exercer beaucoup étant un évangéliste. Maintenant, lorsque tu vas commencer à avoir une autorité ou bien le Seigneur va commencer à guérir des âmes ou à construire une église avec toi, parce que quand tu vas évangéliser, tu ne vas pas laisser les gens comme ça. Vous commencez à vous réunir. À vous réunir, là tu vas commencer à voir maintenant quel était le don qui était en toi, que tu exerçais, était juste temporel et n'était pas permanent dans le manteau du ministère qu'on t'a donné. Parce que il y a quelque chose, il y a le manteau du ministère que nous portons pour toute la vie et qui est un comme un titre qu'on nous porte, qu'on s'y dit. Tu es ça, Dieu lui-même au ciel, il cache. Mais selon les saisons qui se présentent devant nous, selon les éventualités ou les réalités auxquelles nous serons confrontés, Dieu peut renouveler ce vêtement. Ça veut dire quoi? Le vêtement ne se remplace pas ou ne se change pas, mais Dieu change la couleur du vêtement. Et c'est ça que je suis en train de dire. Ce homme va servir comme étant un évangéliste. Mais arrivé à un moment, lorsque l'église va commencer à se constituer en cellule, en groupe de prière, et va atteindre un niveau, et qui aura assez de prière, Dieu va lui dire, tu en réalité n'étais pas un évangéliste, mais tu
étais un prophète, ou tu étais un enseignant, ou tu étais un docteur, voilà le pouvoir que je te donne de travailler, ou je te mets que tu dois travailler. Et là, cette personne, s'il respecte cela, il va voir que le besoin de ses mains va grandir. Or, lorsqu'il travaille avec l'évangéliste, c'est pas faux. Il est un évangéliste parce qu'il est un serviteur de Dieu. Mais en réalité, Dieu l'a permis au début parce que c'était sa volonté pour que les gens soient calés. S'il disait qu'il était l'enseignant, il va lancer la doctrine aux païens. Il ne peut pas enseigner la doctrine aux païens. Les païens ne peuvent même pas croire. Parce qu'il finira, dit, la prédestination. Les païens ne vont plus, ils vont l'écouter, ils sont là comme un barbare. Quelle connaissance il va aller trouver là-bas? Il ne veut rien trouver là-bas. Or, Dieu sait qu'il est en réalité un docteur. Mais Dieu va le laisser errer un peu partout. Il va errer jusqu'à. Quand il dit errer, ce n'est pas dans le mauvais sens, mais il va errer dans le ministère. Et Dieu, finalement, lorsque les choses vont se décider, il va lui dire voilà pour pouvoir. Et quand il comprend, quand il accepte cela, il va essayer. C'est lorsqu'il n'accepte pas, pas orgueil ou pas beaucoup de choses, que nous allons connaître maintenant, nous allons aller en profondeur, que son ministère va connaître plein d'échecs, ou connaître une stagnation, ou connaître assez de choses difficiles pour ne pas déborder. Et c'est une alerte que Dieu a fait de lui donner pour lui dire en réalité, je veux que tu fasses ce que je t'ai dit de faire. Et lorsque le ministre se retrouve aussi seul, quelque part, il se retrouve seul dans un endroit, seul dans une ville, seul dans un pays, Dieu peut renouveler le vêtement du ministère qu'il a porté. Et il commence à exercer comme étant un autre ministre, mais parce que les besoins se font sentir sur le terrain. Quand il exerce comme ça, les gens vont l'appeler comment? Si tu es un évangéliste et Dieu t'a donné la capacité d'enseigner, tu te retrouves à un endroit où c'est seulement et uniquement l'enseignement qui doit vraiment conduire ce troupeau ou cette église, parce que le don de l'enseignement manque, et c'est seulement des frères qui ne sont pas encore matures. Alors, le Seigneur va faire valoir capacité ou le don de l'enseignant qu'il avait placé en toi. Mais tu es toujours l'évangéliste. Ceux qui ne te connaissent pas réellement et qui te verront peuvent dire que tu es un enseignant. Mais en réalité, tu sais en toi-même que tu n'es pas un enseignant. La même chose est arrivée à cet disciple du Seigneur dans les Écritures, dont l'apôtre Paul lui-même et plusieurs autres dans le livre de Actes, Actes 13, que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Vous allez d'abord me lire Actes 6, 3. J'avais parlé, quand je parlais de cas de Matthias et de Judas, j'ai aussi parlé de ceux qui doivent être choisis pour servir. Et c'est comme une charge qu'on les confie également. Acte 6, 3 et Acte 13 après. Oui. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes. Oui. De qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Et que nous chargerons de ce emploi. Choisissez combien de trois personnes, ça? Sept personnes qui sont pleines d'Esprit Saint, donc pleines de cet esprit. Ça aussi, c'est les caractéristiques pour que le ministre soit un bon ministre. Et à qui nous confierons ou que nous chargerons de ce emploi. Donc les disciples avaient aussi le pouvoir de les charger à quel emploi? À servir. Et les disciples sont qui? Ils étaient, pour le dire, ils étaient des leaders ou les leaders de l'église en ce temps. Donc, puisque le besoin se fait sentir, vous connaissez le besoin, en ce temps, il y avait le partage des nourritures, des semences qu'on amenait pour qu'il y ait plus compatibilité au niveau des partages. Mais il y avait des problèmes, il y avait une mauvaise gestion des finances, une mauvaise gestion de la nourriture, une mauvaise gestion de beaucoup de choses, parce que les apôtres étaient déçus. Mais arrivé un moment, ils se sont dit, non, nous sommes les apôtres, nous n'allons pas nous trouver à servir à table, tel va manger ça, je donne à Paul, je donne à Pierre, je donne à Jacques, je donne à Philippe, non.
Donc nous, nous nous retirons, nous choisissons maintenant au milieu du peuple des personnes capables de faire cela et nous, nous allons nous confier beaucoup plus au ministère de la parole. Et selon et conformément aux besoins qui étaient sur le lieu ou sur la place, ces disciples ont été choisis et on leur a chargé de faire quoi? De servir comme étant des diacres. Parce que parmi eux, on a connu un qui, par son charisme et sa manière de servir, je sais qu'il manquait après. Philippe, qui était aussi un serviteur parmi eux. Étienne aussi, qui était parmi eux, qui était un serviteur qui a été tué et qui a vu le Seigneur Jésus. Donc, c'était des personnes en qui on a vu une qualité, on a vu le Saint-Esprit qu'on a choisi pour un besoin. Et si ces personnes persévèrent, le Seigneur peut maintenant manifester par leur persévérance, leur travail, par leur œuvre, ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils doivent être pour la suite maintenant et de façon permanente. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Maintenant, prenez voir Acte 13. Acte chapitre 13 à partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Oui. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Amen. Vous ne voyez pas de choses ici de flou, de bizarre? On dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. C'est des prophètes de Dieu et des docteurs qui servaient dans l'église. On a bien précisé dans l'église. Parce qu'il faut comprendre ceci. Il y a des ministères qui sont des ministères de l'église locale. Et les ministères de l'église locale, parmi les cinq ministères, sont trois. Ils sont fondamentalement des ministères de l'église locale. Il y a le ministère de prophète, il y a le ministère de pasteur et le ministère de docteur. Les trois ministères qui restent souvent permanents ou qui peuvent rester permanents sur l'église pendant 10 ans, pendant 30 ans, sans être gênés, parce que Dieu leur a confié cela. Ils peuvent être envoyés à d'autres endroits parce que Dieu lui-même va le voir selon les niveaux qu'il va leur donner, les charges qu'il va leur confier. Mais le ministère est d'apôtre et de l'évangéliste. Ne sont pas des ministères de l'église locale ou qui vont rester permanents sur l'église locale, mais c'est des ministères d'expansion, c'est des ministères de croissance, c'est des ministères qui voyagent beaucoup, qui font beaucoup de missions et qui ont pour but d'impacter le monde extérieur, le monde dehors et d'amener les étrangers à Jésus, les païens à Jésus, les gentils, ceux qui ne connaissent pas Dieu, à la vérité de l'évangile. Vous comprenez maintenant. Donc, on dit dans l'église d'Antioche, il y avait quoi? Des prophètes, il y avait des docteurs. Et pendant que ces prophètes et ces docteurs étaient à l'église, avec l'assemblée des autres ministres, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part deux qui sont Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais c'est bizarre. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait des docteurs et des prophètes qui étaient en train de jeûner, n'est-ce pas? Et parmi ces gens, par contre, on a d'abord précisé avec les docteurs et les prophètes. Et on dit pendant qu'ils jeûnaient et prièrent, cherchaient Dieu dans le ministère. Le ministère, c'est le leur qu'ils avaient tous reçu de Dieu. Ce n'est pas le ministère de chacun, non. Mais ils étaient ensemble. Il y a aussi le ministère qui est l'esprit qui nous conduit tous. C'est-à-dire l'esprit qui conduit la masse. Nous sommes ici, nous sommes dans un ministère que Dieu nous a donné.
Et le ministère pour lui ne fait quoi? Que prêcher le retour de Jésus. C'est pourquoi on dit souvent Jésus revient. Sinon, on n'a pas besoin, selon Dieu, de donner des noms. Mais on le sait. Mais puisque aujourd'hui, nous sommes régis par cette réalité à cause de beaucoup d'églises qui sont sur la terre, alors nous sommes vraiment tenus de donner un nom pour se démarquer de la foule. Donc, ces gens servaient Dieu dans un esprit donné parce qu'ils ont leur ministère en groupe, leur ministère commun. Mais chacun dans le ministère global et général avait aussi son ministère qu'il doit exercer. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient leur ministère de façon indépendante parce que dans le ministère global, il y a des ministères indépendants qui exercent et qui contribuent au développement, au déploiement, à la croissance du ministère général que le groupe décide. Donc, pendant qu'ils sont en train de gérer, on dit qu'ils sont les docteurs, les prophètes, mais le Saint-Esprit vient dire maintenant, choisissez ces deux, sortez-les de la masse pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, le Saint-Esprit vient dire, en réalité, ces personnes qui étaient en train de servir en tant que prophète ou qui étaient en train de servir en tant que docteur, parmi eux, les deux que j'ai sortis, qui étaient en train de servir en ce sens, je n'étais pas encore dans l'œuvre que je les ai accordée. C'est pourquoi je parle du permanent de l'œuvre permanente ou du ministère permanent du vêtement que l'on porte. Et c'est ce vêtement, c'est que ça, c'est pour toute la vie. Mais il y a aussi du vêtement temporel que Dieu nous fait porter ou du changement de couleur de la vêtement que nous portons. Donc le ministère est comme un vêtement que Dieu nous a porté et que Dieu renouvelle à chaque saison ou que Dieu renouvelle selon les réalités. Et pour certains, ils ont porté pendant longtemps un autre vêtement qui n'est pas en réalité leur vêtement qu'ils doivent porter. Et quand le moment est venu, Dieu maintenant leur donne le vrai vêtement qu'ils devaient porter. L'apôtre avait un problème. Le problème était qu'il était un docteur de la loi. Il avait la capacité d'enseigner. Il avait toute la science de l'enseignement à cause du fait qu'il était un docteur. C'est quelqu'un qui a étudié, qui a grandi dans les études. Donc quand il est venu à Christ, il a déployé ce don de docteur qu'il avait. Il a déployé dans l'église où il s'est trouvé. Or, lorsque le Seigneur lui a été révélé, lui s'est révélé sur le chemin de Damas, le Seigneur lui a dit quoi? Il lui a dit plusieurs choses, il a dit qu'il envoie maintenant pour être une lumière aussi pour les nations. Le Seigneur l'a envoyé chez un certain Ananias qui a prié pour lui et il a eu la vue. Et dans ces trois jours, le Seigneur lui a aussi parlé parce que le fait que ces yeux soient fermés, c'était une occasion pour qu'il soit besoin des instructions spirituelles. Il y a des moments où Dieu va vous fermer les yeux chanel pour vous parler en esprit. Donc Dieu a fermé les yeux de Paul parce que Paul était beaucoup plus chanel. Et quand les yeux de Paul ont été fermés, il était beaucoup plus proche de Dieu. C'est comme le brisement, c'est comme l'humiliation. Donc chaque ministre de Dieu doit connaître aussi le brisement, l'humiliation et toutes ces choses avant de commencer le ministère. Donc l'apôtre, lorsqu'il est entré dans son ministère, il continuait toujours à exercer comme étant un enseignant ou un docteur. C'est pour vous remarquer que l'apôtre est l'un des apôtres, vous ne pouvez pas dire le seul apôtre qui a restitué l'Église par ses enseignements et qui nous donne une feuille de route sur la doctrine du Seigneur. N'est-ce pas? Quand on parle de la Sainte Doctrine, on voit tout premièrement. Quand on parle du Nouveau Testament, au niveau des Épîtres, on voit tout premièrement. L'apôtre Paul, son nom est cité d'après tous les enseignements que nous donnons chaque jour. Parce qu'il a su montrer par le talent qu'il avait, qu'il a reçu de ses études du monde et qu'il a maintenant appliqué pour servir Dieu. Donc jusqu'à ce moment, il n'était pas encore dans la volonté parfaite de Dieu. Mais il était dans une volonté permanente, dans une volonté permissive, dans le sens où lorsque Dieu est là, on a besoin de l'ouvrier, on a besoin d'un serviteur, puisque tu es là et que tu as le talent, puisque tu es là et que tu peux quelque chose, l'homme te confie cela pour que tu commences à servir Dieu. Et c'est ce que Paul et Barnabas ont faisaient. Mais Dieu savait que Paul avait un dépôt en lui, un dépôt spirituel sur lui, qui ne devait pas se limiter seulement à l'église. Parce qu'ils étaient à l'église
même limités, ils se trouvaient engagés dans l'église et ils croyaient que c'est ça, servir Dieu. C'est vrai, ils ont servi Dieu, Dieu l'a permis, mais ils ne servaient pas Dieu selon le plan initial que Dieu avait établi pour qu'ils puissent le servir. C'est pourquoi il dit, choisissez les séparés pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Moi, mon œuvre, ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils font, c'est bien. Ils sont en train de me servir. Mais pour, je veux qu'ils entrent dans le ministère ou qu'ils entrent dans le ministère pour que le monde en bénéficie. Parce que qui peut servir Dieu dans un ministère, qui va le servir. Mais en réalité, Dieu ne va pas en bénéficier. Le royaume de Dieu, ou bien le royaume, oui, le royaume de Dieu n'en bénéficiera pas assez. Tu vas faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais puisque tu n'es pas dans le pouvoir réel, ou que tu, toi-même, tu n'exerces pas ce à quoi tu as été appelé, ou tu as été choisi divinement, Dieu au ciel n'en bénéficie pas. Ton ministère va avoir des pas dessus, mais spirituellement, ou chez Dieu, Dieu ne voit pas arrêter, ne sait pas venir à lui. Chez les hommes, tu produis quelque chose de bien, mais chez Dieu, c'est bon, Dieu ne condamne pas, il ne condamne jamais. Mais il veut plus que ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore dans ce qu'on t'a placé. Amen. Alléluia. Ça commence à être sérieux. Ça commence à chauffer. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Envoyés, ils ont été dispersés et Dieu a commencé à disperser l'église. Parce qu'il y a aussi une erreur que les premiers disciples ont commettait, c'était quoi? De rester à un endroit et de prêcher seulement l'évangile. De rester soit à Jérusalem ou dans une ville qu'ils ont encerclé et pour eux, ils vont rester seulement là. Le fait qu'il y ait la persécution avec les premiers disciples était une volonté permissive de Dieu pour disperser les disciples. Parce que les disciples avaient la mauvaise habitude de croire que Dieu devait sauver seulement les justes, les Israélites. Et ils se sont tous assemblés seulement à Jérusalem. Dieu a permis les persécutions ou les disperser pour les envoyer aussi un peu partout. Et parmi ceux-là, se trouvaient Paul et Barnabas qui étaient envoyés vers les nations pour exercer leur ministère vers les nations. Donc, Dieu t'a appelé, tu es ministre, tu es serviteur de Dieu. Et Dieu te lève pour que tu le serves. Tu serves justement. Mais arrivé à un moment, Dieu va te dire, voici, je veux que tu fasses cela. Il faut que toi-même, tu sois en esprit et que tu comprennes quand est-ce que les saisons vont changer, quand est-ce que Dieu lui-même te fera entrer dans une nouvelle saison pour que tu fasses ce qu'il veut. Tu peux être prophète. Tu exerces pendant plusieurs années ou même pendant plusieurs mois le ministère de prophète. Mais à un moment, le Saint-Esprit te dit, je t'ai besoin de toi à tes domaines. Sache qu'il t'avait déjà préparé à le faire. Il te prépare déjà à être ou à évangéliser. Et en ce moment, tu peux te retrouver banalement pendant un an en train d'évangéliser justement. Si vous comprenez, en ce moment, tu es en train de faire des disciples un peu partout. Tu es en train de faire des disciples. Tu deviens de façon temporaire comme un évangéliste. Ça, c'est pas des enseignements pour arrêter vous dire de faire le ministère de façon désordonnée. Mais on donne des choses grandes à ce qu'on considère grand. N'est-ce pas? Ouais. Donc, mais à des enfants, on leur donne des choses de des enfants. Donc, ce que le Seigneur nous dit, n'est pas une motivation pour dire maintenant, voilà, je peux exercer tous les ministères. Non, non, non. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, que tu es conduit par la convoitise, tu vas faire des dégâts. Et Dieu va te retirer de cela. Tu vas te chasser de l'église. Parce que Dieu est le maître. Et c'est lui qui nous a établi. Donc il a le droit de nous retirer ce qu'il nous a donné. Quand il le retire, les hommes ne savent pas. Hein? Parce qu'il ne viendra pas dire à tout le monde qu'il a retiré. Mais le ministère connaît le décret. La chute totale et la déstabilisation parce que tu es en train de faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Alléluia. Donc, en ce moment, lorsqu'on ne comprend pas cela et qu'on se lance dans le
trouver. Ça, c'est des expériences ou des choses que j'ai eu à voir. Vous allez regarder, vous allez voir, c'était, il a commencé pasteur, mais à un moment, il est pasteur évangéliste. Vous connaissez ça? Ou il est pasteur évangéliste docteur. Pourquoi? Il était dans la convoitise de notre ministère. Pendant qu'on l'appelait à un autre ministère. Et quand il commence, il découvre maintenant que, en réalité, Dieu avait plus besoin de lui là. Donc, pour ne pas supprimer l'autre, pour qu'on le dise, parce que c'est Dieu qui t'avait réellement voulu à ça. Il garde les deux, il maintient les deux, et il se dit, je suis apôtre, je suis aussi prophète. Je suis prophète, je suis docteur. Non, on n'est pas les deux ensemble. On n'est pas les trois, on n'est jamais les cinq. On est un seul. Mais étant un, je veux mettre en nous trois. Vous ajoutez à cela. Et ça se manifeste. Les gens qui nous désirent comme ça, et non nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc je peux être évangéliste, mais arrivé à un certain endroit, je manifeste comme un pasteur. J'exerce comme étant un docteur. Et on croit que je suis docteur, mais c'est temporaire. Et c'est moi avec mon alliance avec Dieu. Et ce que Dieu m'a dit, je sais que c'est pour que ma salle va disparaître. Non. Et dans les pendant un an, l'onction du deuxième serment va me revêtir au point où les gens penseront que je suis docteur. Vous comprenez? Ouais. Donc je dois savoir cela. Mais après un an, Dieu me ramène, il a dit retourne au métal. Mais l'erreur que beaucoup commettent, c'est quoi? Il a dit non, qu'il est docteur. Et il va ajouter cela, je suis pasteur, docteur. Quand une autre saison vient, il va ajouter pour le prophète, je suis pasteur, docteur, prophète. Et finalement, il devient bigre. Homme de Dieu. Et on, ça fait le saint ministère où il se nomme apôtre, apôtre de l'église, ou même évêque ou beaucoup de choses. Non pas que ces noms sont mauvais, mais le fait de porter ou de présenter soi-même plusieurs noms en disant qu'on est les deux ensemble, ou les trois, ou on est les cinq ou tout ensemble, c'est une grave erreur. Pour éviter cette erreur, c'est à la base. C'est au début qu'il faut éviter l'erreur. Tu peux t'appeler prophète, ou t'appeler pasteur, ou t'appeler évangéliste. Mais arrivé à un moment, Dieu te dira, en réalité, mon fils, voici ce à quoi je t'ai appelé réellement. Ou il te dira, je t'appelle à ça pendant longtemps, et après, je vais te retirer cela pour que tu continues, pour que tu reprennes ton ministère. Maintenant, il y a des ministères qui sont attribué par les autorités, comme ce qui est arrivé dans Actes 6, où on a vu les disciples, les anciens, qui ont établi, choisi cette personne, pour servir à table et être des serviteurs. Et le moment arrivé, le Saint-Esprit lui-même, puisque ces personnes sont connectées à lui, va leur révéler, va leur dire en réalité, cet homme que tu avais nommé évangéliste, que je t'avais dit de nommer évangéliste, c'était à cause du besoin que je t'arrête de le faire. Maintenant, il a sa fonction et qu'il exerce pleinement ce à quoi je l'ai appelé. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous donner aussi mon exemple. Quand nous avons commencé l'œuvre de Dieu, nous avons commencé à servir Dieu avec le zèle, avec la foi qui nous animait. Qu'est-ce qu'on voyait? Le désir de sauver les âmes, l'amour pour sauver les âmes. Et c'était beaucoup plus un ministère d'évangélisation. Puisque c'était aussi le modèle qu'on a vu en tant que leader qui était l'évangéliste Jean Gassier, qui l'est aussi jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le temps, c'est l'évangélisation seulement que nous connaissons. Donc on évangélise. Et on dit que nous sommes des évangélistes. Jusqu'à ce que même le Saint-Esprit, à cause du besoin du temps, comprenez ma tête, à cause du besoin du temps, avant qu'on ait vécu, c'était l'apôtre Abraham, lorsqu'il était venu dans le passé, c'est l'histoire, il faut respecter l'histoire. L'apôtre Abraham était venu et l'Esprit lui-même avait convaincu de nous établir évangélistes. À l'époque, on était plusieurs, et le jour où on était établi évangélistes, j'étais avec mon frère le docteur Silas. Mais le Saint-Esprit savait que c'était temporaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous devez comprendre ces choses. Si vous arrivez à un moment, vous souvenez des hommes de Dieu orgueilleux, des hommes de Dieu qui deviennent des traits de l'alliance ou qui deviennent des
combat maintenant, l'un des hommes qui combat la mission passe ce qu'ils affichent et qui ne sont pas bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On était heureux parce que pour nous, le plus grand ministère, c'était le ministère évangéliste. Il n'y a pas un grand ministère que les autres. Tous les ministères sont égaux. Chacun est grand dans le couloir où on l'a passé. Chacun est grand dans ce qu'on lui a donné. Et quand le monde le voit, on dit il est grand. Mais l'autre aussi, il est grand dans son couloir. Donc on avait la convoitise du ministère évangélique à cause de notre rigueur qu'on voyait et de tout ce que Dieu faisait avec nous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez très bien? Donc pour nous, on voulait être des évangélistes. Or Dieu savait qu'en réalité, en nous, il n'y a pas cette fonction. Mais nous avons une qualité pour aussi être comme des évangélistes. Donc on a saigné pendant plusieurs moments. Et comme la fume de le feu était là, la fougue était là, et que le plaisir se faisait sentir, alors il nous a consacrés pour cela. Et dans le temps, je n'oublierai jamais, le premier jour où l'apôtre Abraham nous avait reçu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous les deux, vous êtes des cadres. C'est le mot qu'il a sorti, vous êtes des cadres. Et ce monde aura besoin de vous. Donc maintenant, lorsque le moment était venu, où l'Église a commencé à maintenant prendre de l'expansion, parce que c'est lorsque nous sommes arrivés, on était allés en Côte d'Ivoire, on a évangélisé, on a gagné des âmes. Et tout le Saint-Esprit nous convient maintenant que tu ne seras plus seulement évangélisé. Parce que ce qu'on faisait, c'est quoi? Quand on gagne des âmes, on les disperse dans les églises. Toutes les églises qu'on voit, on les disperse. Pourquoi? Le rôle de l'évangéliste, c'est de faire quoi? Est-ce que c'est le rôle de l'église? Non. Donc lui, il a la partie des âmes. Quand il va, il tire le poisson, il jette dans là où il veut. Il jette dans telle bergerie, il jette là-bas. Oh, Dieu veut maintenant, mais c'est comme fait qu'on est à ce ministère de l'accroissement. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il faut savoir d'avance, quand Dieu réunit plusieurs personnes ensemble, il ne met pas la même chose en eux. Il met des choses différentes. Amen. Mais, puisqu'ils sont aveugles, ou longtemps qu'ils vont demeurer aveugles, Dieu leur fera croire qu'ils sont les mêmes et qu'ils feront les mêmes choses. Ça veut dire quoi? Dieu lui-même va le dire et il le dira clairement. Ou même il va le dire par un autre Dieu que toi tu es un évangéliste, tu as appelé à être un évangéliste. Parce que tu veux être un évangéliste. Et parce que le besoin de l'évangélisation était le plus pressant en ce moment. Si on t'appelle à être un pasteur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller t'asseoir, tu vas dire que les âmes viennent. Et tu seras un échec pour le ballon, n'est-ce pas? Tu ne seras même pas utile. Donc on va te confier ça. Parce qu'on dit, on confie des petites choses à celui qui est fidèle. Lorsqu'il grandit dans ces petites choses, on lui confiera de grandes choses. Comme ça, le Seigneur travaille. Donc, quand le moment est venu où le Seigneur a commencé à nous alléguer, à nous dire, maintenant, vous n'êtes pas des évangélistes de façon permanente. Vous êtes des évangélistes comme tout homme est évangéliste. Parce que Dieu nous appelle tous à faire les disciples à évangéliser. Mais en réalité, voici. Lui, il est pasteur, mais lui, il est docteur. Comme cela s'est passé dans Acte 13, on a vu. C'était un drame. Pour nous, c'était un événement tragique. C'était un suicide. C'était pour vous faire disparaître. C'était tout pour finir avec nous. Quand je vous dis la vérité, je ne sais pas si vous comprenez. Gloire à Jésus. C'était le moment le plus décisif où il fallait choisir en servir Dieu ou maintenant soit être évangéliste pour ne plus servir Dieu ou abandonner. Donc il y a plusieurs qui ont cette pensée-là parce qu'ils s'aspirent beaucoup au ministère du pasteur. Et comme c'est ça qui est le pasteur, on appelle de l'aspiration. Quand tu aspires, tu vas commencer à faire. Mais Dieu qui est divin, qui connaît toutes choses, sait qu'en réalité, tu le fais parce que tu as l'amour, tu le fais parce qu'il a perdu pour établir à cause du besoin. Mais arrive un moment, il te dira, mon fils, ce n'est pas ça, il va t'aider par plusieurs moyens. Et tu dois être spirituel pour comprendre cela. Tu dois te laisser briser pour accepter cela. Pour accepter de porter la charge qu'on t'a donnée. C'est lorsque tu n'acceptes pas que ça devient maintenant un fardeau pénible que tu as transporté tout au long de ta vie. Mais lorsque tu acceptes, directement, l'esprit lui-même t'accompagne. Donc, on a refusé pendant un an
arrivé. Je l'avais raconté à l'évangéliste Gédéon qui est derrière. Voilà. On avait refusé pendant un an, mais personne ne savait. On nous appelait toujours évangéliste. Peut-être que vous le savez aussi qu'on était évangéliste, comme je le savais. Mais juste pendant tous les un an, c'était dur. C'était soit quitter même le réveil, quitter l'église, abandonner tout. C'était tellement dur. En quoi l'homme de Dieu, la parole est là et les autres aussi peuvent en témoigner. Parce qu'on disait non, c'est ça la mentalité de l'enfant, la mentalité d'un bébé qui vient de commencer avec Dieu. Non, non, c'est lui-même qui nous a désiré évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il avait le désir d'être évangéliste dans le cœur. C'est bien, il faut aspirer, il faut avoir un bébé. C'est quoi l'homme de Dieu qui disait hier que dans le ministère, il ne faut pas chercher à copier quelqu'un. Vous ne pouvez pas chercher à voir ce que l'autre est. Je veux être ça. C'est bien d'aspirer. C'est bien d'avoir des modèles. Et nous sommes aussi des modèles pour vous. Vous le savez très bien. Amen. Et vous pouvez dire, je veux ressembler à tel. Je veux ressembler à Jean Cassé. Je veux ressembler à Apôtre Paul. Je veux ressembler à tel. Parce que vous voulez être cela. Et vous, Dieu va permettre que vous lui ressemblez pour le temps. Mais ce que vous êtes doit se révéler. Et Dieu fera que ce que vous êtes se révèle, mais vous restez soumis aux amis. Mais si un peu vous ressemblez à quelqu'un d'autre dans le ministère, et que vous n'êtes pas sûr que Dieu a dit pour vous, vous allez faire des dégâts. Vous allez faire des choses tellement, c'est lorsque vous allez comprendre finalement que vous allez dire, oh, c'est Dieu a fait quelque chose d'énorme que Dieu est en train de me confier. Je rate quelque chose de très grand. Parce que c'est arrivé à un niveau où l'Esprit du Seigneur disait, soit vous acceptez, soit donc vous n'acceptez pas. Et si vous n'acceptez pas, le réveil aura des problèmes. Pourquoi? L'Église grandissait déjà. Est-ce que vous comprenez? Les âmes affluaient à l'Église et vous n'êtes que des évangélistes. Ça, est-ce que ça a du sens? Oh, Dieu savait que parmi cette bourse d'évangélistes, il n'y a pas seulement des évangélistes, il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des docteurs. Mais seulement parce qu'il ne quitte le temps n'est pas encore arrivé et pas convaincus à cause du fait qu'ils ne le connaissent pas encore. Ils sont des évangélistes et ils ont accepté cela. Mais il faut comprendre en réalité que Dieu travaille dans l'ascension. Et il ne faut jamais dire que j'ai connu Dieu. Il ne faut jamais dire que c'est fini pour moi, je connais Dieu. C'est le jour où Dieu dira cela que Dieu va te trouver le cœur et il va te briser par beaucoup de choses. Tu vas connaître beaucoup de choses, beaucoup ont fui le ministère, mais Dieu les a rattrapés par beaucoup de choses. Des difficultés, pas possible. Et ça, après ces choses, je t'ai dit, je dépose les âmes, j'accepte. Est-ce que vous comprenez? On a été dit, on a dit jamais comme non. Le ministère pastoral, c'est rien, non? C'est l'évangélisation pour gagner tout le monde entier. On oublie que quand on gagne, il faut quelqu'un pour garder. Quand on garde, il faut quelqu'un pour esprit. Parce que il faut que vous compreniez ceci. L'intelligence et la connaissance sont des choses qui bâtissent un ministère. Mais c'est la sagesse et la maturité, la responsabilité qui construisent le ministère. Amen. Vous pouvez avoir le zèle, la foule, et vous mettez sur pied. S'il n'y a pas la maturité, s'il n'y a pas la responsabilité, s'il n'y a pas la sagesse, le ministère va s'écrouler. Voilà comment vous allez retrouver des autres de Dieu qui ont fait couler le ministère pendant 4 ans. Il fait aujourd'hui le ministère s'écroule. Ou le ministère s'écroule 10 fois. Ce n'est pas qu'il n'est pas appelé par Dieu. Et ce n'est même si il y a un faux serviteur. Non, c'est parce qu'il n'a pas les moyens qui vont aller avec la nouvelle dimension que atteint son ministère. Et qu'il n'a pas aussi les personnes qui vont conduire ce ministère ou qui vont contribuer à l'accroissement de ce ministère. Ou parce que lui-même n'accepte pas fait ce que Dieu a déclaré sur lui. Dieu ne lui cachera jamais. Lui-même verra, il aura des signes, il aura toutes les manières, toutes les preuves pour savoir ce à quoi Dieu l'appelle. Mais parce qu'il veut être autre chose, il désire être autre chose. Lui, dans sa tête, c'est le ministère apostolique ou le ministère cardinal ou le ministère prophétique qu'il veut. Or, Dieu sait qu'en plus du ministère apostolique, je vais lui confier, en plus du ministère doctrinal, je vais lui confier un côté apostolique. Il sera un docteur, mais quand il apparaît, on verra le charisme de l'apôtre. Les gens vont le respecter. Je vais lui donner tout. Mais lorsqu'il veut ce qu'il veut, je lui donne ça seulement. Comme l'exemple que je vous ai donné au début,
Je vais lui remettre ça et il va poursuivre avec. Mais à un moment, je vais le rattraper. Et il attaque toujours. Nous, il nous a rattrapés. On s'est retrouvé comme Jonas qui fuyait. On a tellement fui, hein, si nos frères n'aiment pas nous connaître aujourd'hui. Donc, ça a été, c'est arrivé à un moment qu'on s'est dit. Là, là où les choses vont, si soit qu'on accepte, soit qu'on quitte. Et c'est là qu'on a dit, Seigneur, nous acceptons. C'était à une conférence. À une conférence qu'on a organisée à Parakou, dans le nord du Bénin. Et c'était à la veille de la conférence. D'abord, on avait fait beaucoup d'activités, on a fait beaucoup de baptêmes. Et c'était la conférence, le dernier programme de notre mission. On a fait presque un mois dans le nord. Et c'est à la veille qu'on a réfléchi à Dieu. Je lui ai dit, mon frère, Dieu, c'est ma vie. Il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte vraiment ce que Dieu veut faire de nous. Parce que pour servir Dieu, ce n'est pas ce que nous voulons forcément, ou même ce que nous voulons que Dieu nous sert ou non. Mais c'est ce que nous sommes qu'il veut révéler au monde. Donc quand tu commences à vouloir être ou à servir Dieu par la convoitise, ou par ce que tu veux être, ou par égoïsme, ou par orgueil, tu vas chuter, tu vas tomber dans le ministère. Donc Dieu lui-même va te dire, il va te dire clairement ce que tu vas faire. Parce qu'on ne sait pas avec un orgueil. On te dit c'est une charge qu'on t'a confiée. Avant que tu naisses, même on t'a confié la charge. La charge est sur toi. Tu fuis où tu vas, quelque part où, quel que soit le lieu où tu te retrouves, on va te tirer, on met ça sur toi. Et tu dois le faire. Mais toi, tu dis non, moi je veux faire un autre. Tu vas recevoir des coups. Et ce sera pénible pour toi. C'est là que le ministère devient pénible. Donc, c'est lorsque nous avons accepté que nous avons compris finalement qu'en réalité, on courait un grand danger. On pouvait faire une grande crise. Et on était devenus comme des ennemis de Dieu pour combattre Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque l'homme de Dieu se retrouve dans un ministère qui n'est pas le sien, qui n'est pas son ministère, et qui l'exerce, et quand il est arrivé à un moment, Dieu lui dit, ou Dieu dit, soit à ses dévancés, ou même à ses leaders, ceux qui l'ont établi, ou ceux qui l'ont établi dans le ministère, que ce jeune homme, ou ce serviteur, en réalité, voici ce à quoi je l'ai appelé. Et à cause des besoins du départ, je lui dis de faire cela. Maintenant, remettez Dieu à sa place. Comme il a dit, choisissez-moi les deux, Barnabas et Paul, et envoyez-les pour le à la terre. Je les ai appelés. Et que ce serviteur se révèle et refuse, il va à sa perte. Parce que ce qu'il oublie, c'est pour son bien qu'on l'a appelé. C'est pour son bien. Parce que c'est ça qu'il va faire et il sera content. Et le ciel sera content. Et le peuple de Dieu va en bénéficier. Mais lorsqu'il veut faire seulement ce que lui a dans la tête, il va souffrir. Donc depuis qu'on a accepté, on a compris réellement ce qu'on était. On a compris qu'en réalité, on peut évangéliser. On peut faire des évangélisations. Tout le monde évangélise tout le monde. Mais ce n'est pas parce que tu évangélises que tu seras comme l'autre. Et c'est là que je commence à réaliser qu'en réalité, je n'arrivais même pas à la cheville des évangélistes. C'est là que j'ai compris que j'étais tellement pour aller pour me comparer au ministère de l'évangélisation. Je n'arrive même pas à la cheville. C'est après que j'ai compris que je pouvais être dans le danger. Si je continue à être un évangéliste, je serai un faux évangéliste. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais continuer parce que je veux faire. Dieu m'a dit non. C'est sûr que moi je serai un faux évangéliste. Parce que j'ai dit, Dieu va permettre pour être à cause des saisons ou de l'éventualité ou de la réalité qui se trouve devant moi. Mais lorsque Dieu dit stop, parce que la saison est finie, maintenant tu n'as plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ça. Entre dans la nouvelle saison, qui est ta saison pour toujours, pour toute ta vie. Tu peux faire le parce que tu as appris à être ça aussi. Tu peux évangéliser comme un évangéliste parce que tu connais comment on évangélise. Je t'ai formé là, mais ce que je te donne maintenant, c'est ce que tu es. Et tu dis non, tu deviens faux serviteur. Voilà aussi des caractéristiques qu'on peut employer, on peut utiliser pour désigner quelqu'un ou pour dire que quelqu'un est un faux ministre de Dieu ou un faux serviteur. Lorsqu'il n'accepte pas la larme, il ne répond pas réellement à l'appel dans le déroulement normal, dans tout ce que tu as dit pour le restant de sa vie, il devient un faux. J'ai compris finalement, nous avons compris
qu'en réalité, être évangéliste, ce n'est pas vouloir, ce n'est pas désirer, ce n'est pas je veux être un évangéliste, non. C'est l'être réellement de façon divine. C'est recevoir la portion, de la part de Dieu depuis même notre naissance ou avant même que nous naissions. C'est là que mon but, je ne peux même pas avoir le même fou, la même fou ou le même feu ou le même zèle que les évangélistes. J'ai compris que en réalité, le ministère, c'est toute autre chose. C'est pourquoi chacun doit réellement prier et dire Seigneur, aide-moi dans le ministère. Parce qu'il y a beaucoup de pièges qui se présentent devant nous. Le piège de la convoitise. Parce que l'autre, quand il voit la cour, il opère des guérisons, des délivrances. Quand Dieu, il chasse les démons, et que tu es avec lui, tu possèdes la cour. Ce n'est pas encore mauvais. Parce qu'on dit aspirer. Et tu peux t'appeler apôtre à côté de lui. Ou bien comme il apporte un Jean apôtre. Parce qu'un apôtre engendre des apôtres. Un prophète engendre des prophètes. Mais à un moment, Dieu lui dira qu'en réalité, ce frère n'est pas un prophète. Tu l'as appelé pendant longtemps prophète, mais il est pasteur. Et puisqu'il a bénéficié de toi, l'onction prophétique, tu l'établis prophète, mais il peut aussi conduire l'église comme étant. Tu l'établis maintenant pasteur, mais il peut aussi conduire l'église comme étant prophète. Donc Dieu peut permettre que tu en amasses assez d'onction, mais tu n'es pas tous les onctions. Moi, le fait de côtoyer l'apôtre Paul, de côtoyer l'évangile Jean-Marcel, ou le docteur Silas, ou le prophète Étienne, ou même le prophète Ézéchiel qui n'est plus avec nous, le fait de les côtoyer a fait que je connais un peu de ces ministères. Et quand les problèmes liés à ces ministères vont se présenter devant moi, je peux, avec le peu que j'ai appris d'eux, me prononcer, sans pour autant définir l'absolu dans ce domaine. Ça veut dire quoi? Ce que tu es en train de désirer avoir maintenant, ce que tu veux avoir forcément, qui n'est pas le tien, qui ne t'appartient pas. En réalité, si tu acceptes d'entrer dans ce rapport d'appel, Dieu va te donner même les atouts, les qualités de ce que tu désirais gratuitement. Et puisque tu ne l'es pas, et que tu agis de cette manière, même les gens vont te respecter. Parce qu'on verra que c'est un homme déjà accompli. C'est là que tu vas atteindre une dimension avec Dieu, où on appelle juste homme de Dieu, parce que tu peux te prononcer sur tous les sujets, tu peux te prononcer dans tous les domaines. Tu n'es pas limité. Mais lorsque tu te dis, non, je suis seulement, je suis pasteur, je vais être pasteur, tu resteras pasteur à vie. Tu ne connaîtras jamais comment fonctionne le ministère d'un docteur, ou le ministère d'un apôtre, ou le ministère d'un prophète, ou même le ministère d'un évangéliste, parce que pour toi, c'est ce que tu veux être. Oh, Dieu ne veut pas que nous soyons seulement ce que nous voulons ou que nous soyons en bas. Dieu veut nous faire monter pour que nous grandissions et que nous continuions avec lui. Alléluia. Amen. Et ce qui fait que on arrive souvent dans ce à connaître ces choses ou à être limité de cette manière, c'est la précipitation. D'abord la précipitation ou la non-préparation de t'accepter le ministère ou même d'entrer définitivement dans le ministère. Parce qu'il faut savoir, le ministère ne vient pas pour nous dire prépare ta d'avance. Pas toi, ce n'est pas tout le monde, mais ça nous surprend. Dieu nous surprend au moment où nous ne le savons même pas. Mais il faut savoir qu'avant qu'il ne surprenne, il te préparait déjà de l'ombre. Il te parlait déjà dans l'ombre. Il te formait à cela. Pour que tu devais ça, il y a beaucoup qui ont été déjà d'avance préparés à enseigner. Et quand Dieu les appelle à un ministère d'enseignement, cela est beaucoup plus facile pour eux. Il y a certains, ils sont déjà préparés à vraiment affronter assez de choses dans la vie, à être des hommes solides. Dieu les appelle, par exemple, à un ministère d'évangéliste, parce qu'ils sont appelés à aller affronter les démons, affronter les démons extérieurs. Donc, chacun, Dieu sait ce qu'il met en lui. Il y a certains qui sont déjà un peu beaucoup plus proches du monde des esprits par l'occultisme. Quand Dieu les appelle, il les appelle prophètes. Et c'est plus facile pour eux d'enseigner maintenant les choses spirituelles. Parce que Dieu, déjà, à cause
était, où après le sacrifice faisait, le rien maintenant à faire, ce qui est mieux, ou ce qui est bon, ce qui est mieux, meilleur. Alléluia. Donc la précipitation est l'un des éléments qui fait que l'homme entre dans le ministère et qu'on connaisse assez de difficultés dans le ministère. Dis à ton frère, ne sois pas précipité. Peut-être que tu as été appelé au ministère pastoral et tu vois qu'au départ, tu vois que tu ne fais même pas. C'est comme si tu n'arrives pas. Non, ce n'est pas toi qui vas le faire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Demande au Saint-Esprit de t'accorder cela. Tu vas voir au fil du temps ça va se manifester. Parce que le ministère s'agrandit. Donc, toi étant au niveau zéro, au commencement, tu veux être comme quelqu'un qui est en train de finir. Ou un vieux qui est ça. Ou tu vois un ministre, un vieux, lui-là, lui-là, rassemblé 10 000 personnes. Tu veux être exactement comme lui. Est-ce que tu peux être comme lui? Tu ne peux pas. Lui, il a forgé son ministère par les difficultés, par les expériences, par aussi des atouts, par les connaissances, des choses que tu lui as dit sur tout son trajet. Mais quand toi, tu portes le même nom de ministère que lui, où il est prophète, chose aussi prophète, tu te dis, moi, je suis fini. Est-ce que je peux faire pour ça? Est-ce que tu te dis, tu es un faux prophète? Non. Dieu va doucement avec nous et nous conduit. Doucement, c'est lorsque nous sommes humbles que nous pouvons apprendre de lui. Et c'est les humbles seulement que Dieu enseigne, que Dieu élève. Donc si tu n'es pas humble, inutile de servir Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est humble et il travaille dans l'humilité. Alléluia. Gloire à Jésus. La précipitation est beaucoup motivée par aussi l'envie de la gloire. Vous pouvez mentionner cela. L'envie excessive de la gloire ou d'atteindre la gloire. On a l'envie de devenir quelqu'un qu'on ne peut pas être maintenant. Quand on plante, quand on met quelque chose en terre, on met une semence en terre. Est-ce que la semence pousse au même moment? La semence a besoin de temps avant de pousser. Mais quand toi tu mets ta semence, tu veux qu'elle pousse au même moment. Donc le ministre doit se laisser former par le Saint-Esprit dans l'exercice de son ministère. Et quand le Saint-Esprit va lui parler, il lui parlera au moment opportun. Quand le Saint-Esprit va lui dire, prends cet argent, prends ce chemin, il lui dira à cause du besoin qui se fera sentir dans son ministère. Et c'est seulement l'Esprit qui le fait. Mais lorsqu'il se précipite et il veut atteindre un but, je vais donner l'exemple. Tu es appelé prophète. Tu es appelé à être prophète. Et tu as commencé. Mais à cause de la convoitise du ministère doctrinal, tu commences à uniquement essayer à vouloir être docteur. Tu as oublié le ministère prophétique auquel on t'a appelé. À cause du fait que tu veux être docteur à la base, tu vas oublier ce ministère, tu commences à penser seulement et uniquement comme un docteur. Tu es en train de faire mal. Et tu es en train de toi-même fuir le ministère qu'on t'a confié. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous des enseignants de la parole de Dieu. Tu peux enseigner comme tu veux. Mais on doit beaucoup plus retrouver dans ton ministère ou même dans ton service sur le ministère auquel on t'a appelé. Tu peux enseigner, tu peux bien enseigner, même étant un évangéliste. Mais si tu, dans ton ministère, tu ne fais pas de façon permanente la mission d'un évangéliste, si le but n'est pas de servir un évangéliste, tu es déjà orgueilleux. Tu es dans la convoitise. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc tu veux te précipiter, tu veux aller un peu plus en avant, tu veux montrer que tu peux tout, tu es tout, tu es quoi à la fois, tu peux tout à la fois. Oh, c'est faux. Donc ça devient usurpation de fonction ou usurpation de titre. C'est ça que je disais au début, finalement, on est prophète, docteur. Ça me fait tellement bien. Pasteur, apôtre, c'est vrai, tu peux être pasteur de nature, mais
aussi travailler comme un apôtre ou un prophète. C'est possible, mais tu n'es pas à la fois pasteur et prophète. Donc c'est à cause de l'immaturité et de la précipitation d'avoir tous les ministères ou de travailler comme les autres qu'on s'octroie et on s'attribue tous les termes, tous les titres ministériels. Il ne faut pas aussi confondre ceci. Il ne faut pas confondre l'appel et la capacité d'être prêt à exercer ce qu'on nous a confié. Comme je viens, c'est ce que je souhaite le dire. On t'a appelé, tu es nouvellement appelé, mais déjà tu vises excessivement le sommet. C'est pas que tu aspires, parce que Dieu veut que nous aspirons après le sommet. Mais pour toi, le fait que tu sois en bas, déjà tu déranges. Ça te fait tellement mal, c'est un complexe pour toi. Et tu veux grimper vite, tu veux courir. Non. Quand tu vas courir comme ça, tu ne peux pas arrêter. Et comme tu t'es forgé déjà en toi que tu dois être ça, lorsque tu n'arrives pas à le faire, tu te culpabilises toi-même et tu commences à te condamner et le diable va entrer dans ton ministère. Et tu ne seras pas stable. Tu es ici, aujourd'hui on te retrouve, demain là-bas, aujourd'hui on te retrouve ici, demain on te retrouve là-bas, après on te retrouve et tu es mélangé et tu es confus en toi, tu ne sais plus quoi faire. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre. Voilà. Nous allons poursuivre avec quelques exemples clés de serviteurs que nous connaissons dans les Écritures qui ont aussi essayé de manifester cela dans leur fonction ou dans leur appel à Dieu ou leur appel par Dieu. Ce sont des gens qui avancent des excuses pour ne pas servir dans le ministère auquel le Seigneur les appelle. Exode 4, verset 10. Exode chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit. Est-ce que vous écoutez ce que Moïse dit? Dieu l'appelle pour le servir, mais il dit, moi, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je ne sais pas parler. Est-ce qu'on lui a demandé s'il sait parler ou s'il ne sait pas parler? Est-ce que c'est ça qu'on lui a demandé? Non. On lui a dit, je t'envoie pour délivrer le peuple. Tu iras parler au grand pharaon. Mais lui, il commençait déjà à voir son handicap. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, Dieu vous appelle, même étant dans vos handicaps. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu appelle avec handicap. Et tu as l'handicap avec toi. Et pour toi, avec ce handicap, tu ne peux pas servir. Mais Dieu va diffuser ce handicap pour te prouver qu'en réalité, tu ne t'es pas appelé, mais c'est lui qui t'a appelé. Amen. Allez-y. Mais qu'est-ce que Dieu lui répond? L'Éternel lui dit, oui, qui a fait la bouche de l'homme? Mais c'est ça, qui a fait la bouche de l'homme? Qui l'a fait, hein? Et qui rend mieux ou sourd? Qui rend mieux ou sourd? Qui a la capacité de le faire? N'est-ce pas l'Éternel? Hein? Voyant ou aveugle? Merci. Hein? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Très bien. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Très bien. Donc les excuses pour ne pas servir, les excuses sont des choses banales. Ce ne sont pas des arguments pour ne pas servir Dieu. Non, Seigneur, tu sais que je suis estropié, comment je vais faire pour marcher? Il y a des estropiés qui servent Dieu. Qui va te dire, n'est-ce pas moi qui ai fait le pied? Ou n'est-ce pas moi qui ai formé les pieds? Nous avons aujourd'hui des aveugles qui servent Dieu. Des sourds ou des muets qui servent Dieu. Et par leur vie, leur ministère en
appelé à le servir. Tu ne regardes pas Jésus qui t'a appelé à être ministre. Et que tu ne regardes, tu ne feras jamais ministre. Regarde-toi, est-ce que toi, tu es capable de faire quelque chose? Regarde-toi. Observez-vous, la tête, regardez-vous. Non, regardez-vous, c'est une expérience. Regardez-vous, la tête, regardez-vous. Est-ce que toi, tu es capable? Tu as des choses encore pour faire quoi? Tu es capable? Tu n'es pas capable. Le Dieu, d'abord, il a fait les incapables. Et c'est pourquoi la charge qu'il leur confie ne les dépasse pas. À cause du Saint-Esprit qui va les accompagner. Sauf que c'est les orgueilleux qui avancent des choses à Dieu. C'est les orgueilleux qui pensent qu'ils sont déjà arrivés au moment où on les appelle et qui disent non, moi j'ai un handicap, je ne peux pas. Et ils veulent exclure Dieu. Moi, ils veulent corriger Dieu. C'est comme s'ils rappellent indirectement à Dieu que Dieu ne sait pas qu'il a un handicap. Ou bien, Dieu t'a appelé et tu dis Seigneur, je n'ai pas, tout le monde sait que je n'ai pas de travail, que je vais abandonner. Est-ce qu'il ne sait pas que tu n'avais pas de travail? Il savait que tu n'as pas de travail. Et c'est parce que tu n'as pas de travail qu'il t'a appelé à travailler. Parce que servir Dieu aussi, c'est un travail. Être pasteur aussi, c'est un travail. Donc, comme tu es au chômage, il faut qu'on te confie quelque chose. Dieu t'a choisi d'amener là-bas. Et là-bas, il va te bénir parce que c'est là-bas que se trouve ta bénédiction. Tu vas fuir, tu vas aller quelque part, tu ne trouveras pas. Ou même lui, il va te dire maintenant, va travailler, je te laisse. Va travailler, je vais te bénir, il va te bénir. Mais lorsque tu vas partir, tu ne trouveras pas la bénédiction. C'est la malédiction que tu as reçue. Et c'est lorsque tu vas retourner, tu vas reprendre ton poste, que tu vas voir la main de Dieu sur ta vie. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse a refusé, mais finalement, Moïse a été le grand prophète. On dit personne n'a jamais vu Dieu, mais Moïse, lui, l'avait vu. Moïse était le seul prophète qui a pu voir Dieu, mais pas le dos. Et ce n'était pas donné à n'importe qui. Tout le monde peut voir Dieu. Mais lui, Dieu lui a permis cela. S'il refusait l'appel, s'il ne l'acceptait pas, qu'est-ce qui va se passer? Tout le peuple d'Israël va rester captif. Parce qu'il y a des choses qu'on a déclarées sur toi. Et seul toi va l'accomplir. Amen. Mais ça, c'est pour vous. Même si on dit que non, Dieu a laissé Dieu sur la terre. Non, 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 non. C'est sur toi, c'est par toi qu'on le fera. Si tu fuis, tu refuses, on ira te chercher là-bas. Et c'est après ta mort, si tu ne le fais pas et que tu meurs, on va prendre maintenant la charge pour remettre quelqu'un d'autre. C'est ce qui est arrivé à Judas. C'est à lui qu'on a confié la tâche. Mais puisqu'il s'est vendu lui-même en tuant son maître et il est mort, on ne peut pas laisser le poste comme ça. Il faut que quelqu'un le permette. Mais tant qu'il est vivant, tant qu'il est vivant, c'est à lui que la paix s'adresse. Il y a certains aussi qui ont pour prétexte, Seigneur, j'ai péché contre toi, ou Seigneur, je ne suis pas dit, je suis un pécheur. Le péché n'est même pas une excuse pour dire à Dieu qu'on ne va pas le servir. Parce que Dieu appelle les pécheurs à le servir. Quand Dieu veut sauver un homme du péché ou veut délivrer un homme du péché, il appelle au ministère. C'est quand Dieu veut délivrer un homme du péché, un homme qui a été déjà détruit par le péché. C'est en ce moment que Dieu lui confie quelque chose. Parce que Dieu sait que lorsqu'il sera consacré à son œuvre, il ne pourra plus avoir le temps pour le péché. Mais il dit non, Seigneur, quand moi je suis pur, je ne peux pas te servir. Qui t'a dit que les autres sont purs? Ce n'est pas une excuse d'encourager à pécher, non. Mais c'est pour dire que c'est dans la faiblesse de la chair que Dieu se glorifie et que Dieu trouve aussi sa gloire. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'envoie pas des excuses. Non, Seigneur, comme tu sais que ça, je n'ai pas, j'ai besoin d'un téléphone pour faire, pour travailler. Travail, c'est dans le travail qu'on va te payer le téléphone. C'est dans le travail que tu auras le téléphone. Amen. Et sans le travail, tu n'auras pas. Si on laisse, va dormir pour voir si on te dit, on t'amènera le téléphone. C'est lorsque tu sais, Dieu a mis des choses en toi qui sont plus grandes que le téléphone. Alléluia. Dieu a mis des richesses en toi. Et c'est dans le ministère que tu seras béni. Parce qu'en exerçant, tu iras guérir peut-être la fille d'un président, on va te mettre à un niveau élevé. Dieu va t'amener à faire de bonnes choses parce que l'onction est plus que la richesse. L'onction est plus que la bénédiction. On dit que l'onction puisse la vie. Amen. Nous sommes
Dieu est élevé. Si tu n'as rien en toi, tu ne peux pas être élevé. Donc, prends l'exemple de Daniel. Sa peau de l'onction de prouver qu'il était sur Daniel. Par malgré que Daniel était esclave. D'esclave, il est devenu quoi? Chef. Il est devenu chef auprès du roi, savant, grand connaisseur. En tout cas, sa sagesse était dépassée toute la sagesse des Chaldéens et des grands à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il a même il a gardé l'onction. Il n'a pas vu la gloire d'abord, mais il a maintenu, il a gardé l'onction. C'est pourquoi vous devez garder l'onction qui est en vous. L'onction qui est en vous, c'est un potentiel, c'est une énergie que Dieu a placée en vous. Et par cette énergie, vous avez la capacité d'entrer là où n'importe qui ne peut ne pas entrer. Vous avez la capacité de faire des choses que personne ne peut faire. Mais si vous laissez l'onction d'abord, vous abandonnez l'onction. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec l'onction, vous ne pouvez rien, en servant Dieu, vous n'êtes rien, et que vous allez vaquer à autre chose, vous serez misérable. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dans le monde, il y a des savants. Hein? Dans le monde, il y a des intelligents. Il y a des sages. Dans le monde, il y a des hauts placés. Dans le ministère, dans beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas dans le monde que tu vas être grand. Toi, tu es amené dans le ministère pour que tu te démarques. Est-ce que tout le monde peut guérir un malade? Est-ce que tout le monde peut ressusciter un mort? Est-ce que tout le monde peut chasser un démon? Mais quand toi, tu viens devant le grand ministre et tu commandes et un démon se manifeste à lui, en toi, l'ennemi qui est plus grand. On va te respecter! Envoyé dans cette famille.
Parce que Dieu savait que c'est quelqu'un de la lumière que je prendrais pour renverser le royaume. Amen. C'est pourquoi Dieu vous a pris du monde pour maintenant renverser le monde. Tu étais sorcier sataniste, glorifie Dieu parce que tu es le vrai potentiel pour aller renverser le monde de ténèbres. D'Anatote dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est le verset 3 là, ou 4. Oui, là je suis au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Lui-même a dit ce que Moïse avait dit, je ne sais pas parler. Est-ce qu'on lui a dit qu'il ne sait pas parler? Dieu dit, je te connais. C'est un honneur. Dieu te dit, je te connais. Dieu sait qui était l'enfant. Mais pourquoi il dit, je te connaissais? Ça veut dire que Dieu ne l'a pas connu comme étant un enfant. Hein? Dieu l'a connu comme étant un grand. Ça veut dire quoi? Quand Dieu t'appelle à le servir, il ne voit pas le départ, il voit la fin. Il ne voit pas le petit Julien qu'il a appelé aujourd'hui. Il ne voit pas le petit David qu'il a appelé aujourd'hui. Il ne voit pas le petit Ezra qu'il a appelé, le jeune ou le petit Ezra qu'il a appelé aujourd'hui. Non, non, non. Mais il voit le extra de demain. Parce que c'est ce qu'il a mis en toi. Donc au début, tu ne peux pas paraître comme étant ce que tu devais, tu dois être.
réellement dans l'exercice de ta fonction de ton ministère, mais le Seigneur lui-même va te déployer, c'est dans la patience, dans l'humilité et dans le fait d'accepter la charge qu'on nous confie qu'on peut atteindre lui. Plusieurs ont reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu, mais n'ont pas atteint cette promesse. Est-ce que c'est Dieu qui a menti? Non, regarde quelqu'un que Dieu appelle qui dit qu'il ne veut pas. Est-ce que Dieu a menti? Non. Dieu a dit à Abraham, je vais te lever, je vais te lever pas grand. Si Abraham n'acceptait pas, Abraham ne serait pas grand. Il va rester comme il est. C'est pour dire en réalité, servir Dieu, c'est la meilleure des choses. Parce que c'est Dieu qui il est le meilleur promoteur au monde. Il est le meilleur, celui qui fait mieux la publicité des dieux, celui qui recrute. Quand tu sais Dieu, il te met, il te positionne lui-même. Lorsque tu es fidèle, lorsque tu le sais dans ta vie et que tu le sais dans tout ce qu'il te dit. Or, au début, souvent, on n'a pas ce regard. Au début, on croit que c'est pour être les plus malheureux de la terre qu'on nous a appelés. Et pour être les plus minables de la terre qu'on nous a appelés. Non, ce n'est pas ça. Spirituellement, tu es grand. Spirituellement, tu es quelque chose. Et c'est sûr quelque chose qui se révèle. Il dit, je suis un enfant. Quelle est la réponse que l'Éternel a donnée? Et l'Éternel me dit, oui. Ne dis pas, je suis un enfant. Dis à ton frère, ne dis pas, je suis un enfant. Dis-lui, ne dis pas, je suis un enfant. Dis-lui, tu n'es pas un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Mais c'est ça. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Moi, je ne te vois pas comme un enfant. Il dit, je te connaissais. Je te connaissais comme quoi? Comme serviteur de Dieu. Que tu sois enfant, que tu sois grand, c'est pas ça qui me concerne. Ce que moi, je vis en toi, ce que j'ai vu en toi, c'est ce qui m'a attiré, qui m'a poussé à t'appeler. Parce que vous devez savoir que chacun a reçu l'étoile de Dieu. Et par l'étoile, Dieu sait la mission déjà, la mission qu'il doit accomplir. Et à cause de l'étoile, je ne vois pas un enfant. Parce que l'étoile que tu as lorsque tu es enfant ou que tu es en bio, c'est la même étoile que tu auras lorsque tu seras de ta vieillesse. C'est pas ce que vous comprenez. Seulement que Dieu a le temps qu'il va faire briller l'étoile dans la visibilité. Sinon, l'étoile a le même éclat, la même gloire au moment où tu nais, ou même déjà étant une âme embryonnaire dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi les sorciers tentent de capturer l'étoile des gens. Ou disent que son étoile est brillante. Mais quand la personne naît, elle ne brille pas en même temps. Dieu permet que cette personne ait des étapes avant de briller, avant de monter, avant d'être serviteur de Dieu. Donc avant que Jérémie ne naisse, Dieu voyait déjà un serviteur puissant. Un homme de Dieu puissant, mais lui voyait un enfant. Les hommes vont voir un enfant. Tes parents vont dire, toi tu es fini, que quand tu es un enfant, tu es un serviteur. Parce que l'homme s'est forgé dans sa conscience que ce sont des âgés, des vieux qui servent Dieu. Or, il dit que c'est la jeunesse qui sert Dieu. C'est les jeunes qui servent Dieu. Les vieux aussi peuvent servir Dieu. Mais dans la fleur de l'âge, on est beaucoup plus fort à servir Dieu. C'est pourquoi nous devons servir Dieu, nous qui sommes jeunes. Nous devons servir Dieu, c'est maintenant que nous devons servir Dieu. Parce que demain, nous ne savons pas ce qui va arriver. Demain peut être trop tard. Demain, nous pouvons mourir. Demain, nous pouvons atteindre. Un atout même se lever sera impossible. Mais lorsque nous serons sur les pieds, nous sommes faits pour servir Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons même le cas. Lui, c'est pas. Lui, ce n'est pas qu'il refuse, mais lui, il veut avoir. J'ai parlé de la convoitise qu'on a à vouloir occuper un rang ou à vouloir faire quelque chose, mais que Dieu n'a pas forcément ou ne nous a pas forcément attribué, n'est-ce pas? Je vais vous parler de l'histoire de Jonas et de Adonija. Jonas et Adonija. Pour Jonas, dans Jonas 1. Mais pour Adonija, surtout dans 1 roi, nous allons prendre Adonija. 1 roi 1. 1 roi 1.
1 Rois chapitre 1, à partir du verset 1. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent, « Que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. » On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille, jeune et belle, et on trouva Abishag, la tsunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Là aussi, certains ont mal interprété cela, disant que David, dans sa vieillesse, on lui a donné une jeune fille pour qu'il couche avec la jeune fille. N'est-ce pas? C'est faux. Vous allez voir ça dans la suite. David n'avait pas connu cette fille, mais elle était juste venue pour le servir. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Ah, c'est clair, hein? Amen. Adonija, fils de Haggit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Ah, Adonija, lui déjà, la faiblesse de son père était une occasion pour obtenir ce qu'il convoitait déjà. Il dit, c'est moi qui serai roi. C'est moi qui serai roi, hein? À cause de l'orgueil. Il est en train de jouer le même rôle que Satan. Au début. Hein? Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Voilà. Hein? Il a mis ses propres moyens en place. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, ma reproche, je vais vous dire ceci. Qu'est-ce qui arrive lorsque tu veux extrapoler le temps de Dieu ou tu veux faire ce que Dieu ne t'a pas dit dans le ministère? Tu es dans le ministère et Dieu te dit de faire quelque chose, tu dis non, tu le fais pour toi. Tu vas te retrouver en train d'exercer une force inutile, en train de chercher des moyens inutiles que Dieu ne t'a pas donné. Des choses qui ne vont même pas t'aider, ou qui ne pourront même pas t'aider à faire décoller ton ministère, ou bien à œuvrer pour la gloire de ton ministère. C'est-à-dire que tu te retrouves à forcer les choses sont difficiles, les choses sont dures. Pourquoi? Tu ne te retrouves pas en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que ce que Dieu t'a dit de faire, il sait déjà que tu peux le faire. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu ne te confiera quelque chose que tu ne peux pas faire. Parce qu'il sait qu'il sera avec toi, il a vu en toi déjà quelque chose qu'il a mis déjà en toi et qu'il t'aidera à le faire. Parce que Dieu est en nous. Et cette portion qu'il a mis en chacun de nous est la charge qu'il viendra aussi vous rappeler. C'est comme si c'est comme le fait que le ministère est quelque chose qu'on a déjà reçu. On l'a reçu et c'est en nous. Comme on ne sait pas, Dieu vient nous révéler cela. Et vient nous faire découvrir cela. Donc c'est en toi. Donc quand tu vas vouloir le faire, tu seras saint. Adonija, qu'est-ce qu'il fait? Il a maintenant engagé des soldats, engagé toute une armée. Pour faire quoi? Pour se protéger parce qu'il n'est pas le roi. Donc le roi David, son père, ne l'a pas encore désiré, n'a même pas encore dit quelque chose. Mais lui, à cause de l'orgueil et de la convoitise, il voulait atteindre ce qu'il voulait. Il voulait, lui, ce qu'il avait dans la tête, c'est un roi. Et nous allons voir finalement ce qui lui est arrivé. Parce que David, au préalable, avait déjà juré à Bathsheba, la mère de Salomon, que ce sera son fils qui va régner après lui. Donc ça dit quoi? Quel que soit ce que tu feras, par le désir d'être prophète, ou même d'être apôtre, ou même d'être docteur, ou même d'être pasteur, ou même d'être évangéliste, ce que le Seigneur a décidé que tu seras, tu le seras. Parce qu'il va te rattraper. Maintenant, si tu échappes, c'est très grave pour toi. Parce que si tu allais et que tu fais tout pour échapper, ce sera grave. Parce qu'il va te demander, est-ce que je t'ai compris cela? D'où tu as sorti ça? Tu vas dire, Seigneur, c'est parce que je voulais te servir. C'est pas toi qui veux, c'est moi qui veux. Tu veux me servir, mais moi je dis quoi là-bas? Je suis le chef de l'entreprise, je suis le chef de la tête de l'église. Vous êtes la tête de l'église, mais moi je suis le chef de la tête. Vous êtes un ministre établi, mais je suis le ministre par excellence. Donc je dis toi, j'ai vu en
de gloire. Parce que Jésus lui-même est, il est le Saint-Ministère, il est tous les ministères, tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, c'est lui-même. Donc, quand il voit quelqu'un, il ne voit qu'une partie de lui, toi, tu fais ça parce que je le reprends toi. Toi, tu fais ça, je le reprends toi. Mais c'est des œuvres, des tâches différentes qui émanent de lui, qu'il reprend toi. Mais si tu fais comme Abidja, tu seras plus béni que toi. Tu vas vouloir faire les choses parce que tu as ton grâce foncée. Tu n'es pas pasteur. Mais tu veux exercer comme un pasteur. Tu es dans un ministère actuellement. Mais toi, ce qui est dans ta tête, ce n'est pas être ça. Tu veux être quelque chose d'autre. Ou même tu n'es pas encore dans un ministère, mais ton but, c'est d'être ce que tu as déjà placé en toi. Et comme tu ne l'as pas, tu veux forcer après les choses. Pour à cause de la convoitise, tu as tout fait pour gagner ce que tu voulais être. C'est aussi un grand danger qui gagne beaucoup de ministres de Dieu. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est pourquoi je vous le dis. Et aujourd'hui, je remercie beaucoup Dieu. Parce que maintenant, je suis à l'aise. Et je sais ce que je suis dans le corps de Christ. Amen. Même si quelqu'un fait le bon dos ou fait qu'il est plus fort, je sais que ce, dans mon domaine, je suis fort. Amen. Dans mon domaine, je suis ce que je suis. C'est ça. Parce que je sais que lorsqu'on m'a entré dans mon pouvoir, il ne s'en sortira pas. Ce n'est pas l'orgueil. Mais au moins, j'ai une qualité que je peux démontrer et je peux lui apprendre. Lorsqu'on va arriver chez lui, je serai petit, il va m'apprendre aussi. Amen. Mais lorsque je force pour être ce que je ne suis pas, je ne serai rien. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme vous forcez quelque chose, vous forcez quelque chose, et à la fois, la chose ne revient à aucun des deux. Souvent, c'est comme ça. C'est comme les deux femmes qui forçaient l'enfant. Qui forçaient l'enfant au nom de sa mère. Sa mère ne veut pas tuer l'enfant. C'est la haute sagesse. On va découper l'enfant et on verra le droit l'enfant. Maintenant, les deux vont se retrouver à ne pas avoir l'enfant. Donc, quand tu forces quelque chose que tu veux avoir, mais qu'on ne t'a pas donné, tu ne seras rien parmi les autres. Parce qu'on va te voir en train de faire ce que tu n'es pas. Et même quand tu le fais, ça ne dira rien à personne. Tu n'auras aucune importance ou même tu n'auras aucune marque imposée. Mais lorsque tu es ce que tu es et tu ne trahis pas ton appel, tu ne trahis pas ta conscience, tu ne trahis pas ce que Dieu t'a dit ou ce que Dieu a désiré à prononcer sur toi et que tu fais fidèlement ce que tu fais, tu seras ordonné. Et c'est comme ça dans 1 Timothée 3, 13. On dit quoi? Laissez-moi dire 1 Timothée 3, 13 comme une parenthèse pour continuer. Alléluia! Jésus-Christ est Dieu. 1 Timothée chapitre 3 verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, ça qui est un rang honorable, ils sont honorés par Dieu parce qu'ils remplissent fidèlement et convenablement leur ministère. Hein? Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ils ont une grande assurance en foi. Ils ont la certitude. Et l'assurance de leur salut. Ils ont certains qui sont sauvés. Pourquoi? L'une des choses qui prouve que nous sommes proches du salut, que nous sommes sauvés, c'est lorsqu'on se retrouve à faire fidèlement ce qu'on nous a confié. Parce que Jésus dit, quel est ce serviteur qui, lorsque le maître le trouve, en revenant de son voyage, le trouve fidèle en train de faire ce qu'il a confié, il ne sera pas élevé. Donc quand le maître le trouve fidèle, tu es sauvé. Mais si on ne te trouve pas là-dessus, ce qu'on t'a donné, ou ce qu'on t'a appelé, ou ce qu'on a dit sur toi, et que tu ne te veux pas faire quelque chose d'autre, ou tu es paresseux, tu le fais même. Toi, ton cas, c'est qui? On n'aura même pas besoin de te juger. On te prend justement ta voix au feu, parce que tu ne sais rien. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque j'exerce convenablement mon ministère, je m'attache, je lui-même m'élève, et je serai honoré. Donc, tant que personne ne réclame l'honneur, si lui-même n'en a pas Dieu, que personne ne réclame le respect si lui-même ne respecte pas Dieu. Je réclame le respect parce que j'ai appris à respecter Dieu. Je réclame la soumission des autres parce que je me suis aussi soumis à l'appel de Dieu, à ce que Dieu a décidé que je sois. Je réclame aussi la politesse parce que j'ai appris à être poli envers Dieu. Mais si je suis rebelle, on se voit aussi rebelle avec moi. C'est comme ça les ministres qui ont été rebelles face à l'appel, qui ont fait autre chose que Dieu leur a dit de faire, vont toujours se retrouver avec des ministres qui leur sont rebelles et qui leur font
engendrer des personnes qui ne sont pas humbles. Parce qu'on ne nous donne que ce qu'on a, ce que l'on a. Nous avons vu la fille d'Abidja lorsque Salomon a été établi, selon la parole de David, qu'il a donné à Bathsheba. Qu'est-ce qu'il avait déjà fait? Abidja se retrouve maintenant à demander pardon à Salomon et il dit, ne le tue pas. Parce qu'il voit maintenant que l'autorité a été donnée à Salomon. Abidja s'est même fait roi. Je ne veux pas qu'on dise que c'est trop long. Abidja s'est fait roi. Il a pris des prophètes que lui ne lui a choisi. Parce qu'en ce temps, il faut les sacrificateurs, il faut aussi des prophètes, il faut des personnes que Dieu lui-même a choisi pour te désirer roi. Même aussi, c'est dans certaines cultures, ici à l'Afrique, un peu partout. Combien? Il faut les dignitaires de la spiritualité auquel tu appartiens pour t'établir. Parce que la royauté est spirituelle. L'autorité est spirituelle. Donc si on ne te remet pas l'autorité spirituelle, tu peux vouloir présenter l'autorité ou détenir l'autorité, mais tu n'as pas l'autorité. C'est ce qui est arrivé à Abidja, il s'est fait roi qu'on a même introduisé. Il a fait des sacrifices conformes à ce qui devait être fait lorsque quelqu'un est nominé roi. Mais il n'était pas le roi. On dit souvent, les esprits ne l'ont pas accepté pour être roi. L'Éternel aussi ne l'avait pas accepté. Non, tout ce qui se fait, même dans les cultures, les traditions, les coutumes de nos ancêtres ou dans nos traditions, en réalité, la base spirituelle ou le principe n'est pas faux. Le principe est vrai, le principe est authentique seulement que l'adoration a été juste orientée au démon ou aux choses de la création. Vous comprenez? Tout a été volé du diable. C'est quoi tout ce que même les marabouts font, c'est sur un principe spirituel qui est authentique, qui est vrai. Qu'ils ont juste, c'est l'adoration qui a été changée et orientée à un bon Dieu. Sinon, c'est un principe que Dieu lui-même a établi. Spirituellement. C'est quoi si Dieu lui-même ne te reconnaît pas? Dans ce que tu fais, quand tu le fais, tu vas te connaître des chèques. Même si ça te semble réussi, ce sera une réussite qui va te conduire à la paix. Mais Dieu ne voudra jamais cela pour ses enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Lisez-moi Proverbe 22, verset 13. Et après Ecclésiaste 11, 4 à 6, on va comprendre quelque chose. Allez. Proverbe 22, verset 13. Oui. Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Mm-hmm. Il faut recommencer. Mm-hmm. Proverbe 22, verset 13. Oui. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Qui comprend quelque chose? Le paresseux dit qu'il y a. Oui, vas-y. Depuis, je l'ai donné la parole à aucun d'entre eux. Je monopolise la parole. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Oui, vas-y. Ok, je pense que ce verset retrouve la parole des gens qui donnent les excuses pour nous faire. Il dit un lion est dehors. C'est un paresseux. On l'envoie exercer un ministère. Mais il dit non, Seigneur, il y a le foie là-bas. Seigneur, la nourriture, moi, je n'ai pas. Donc, je n'irai pas le jeu. Je n'irai pas de cette façon. La nourriture, je n'ai pas. C'est des gens mauvais. C'est Jonas, hein. C'est Jonas qui dit qu'il y a un lion dehors. Parce que ce qu'on nous dit souvent, c'est que ce n'est pas parce que Jonas ne voulait pas que les gens soient pardonnés. Il y avait beaucoup plus de raisons. La vraie raison, c'est que Jonas avait peur d'être tué. Il avait peur que la méchanceté du peuple, quand il va prêcher la récompense, on finisse avec lui. C'était un peuple peureux qui n'était pas préparé à la mission au ministère. Mais il met devant, il veut se justifier, il croit que Dieu ne connaît pas son cœur. Il dit, met devant le nom, voilà, toi tu sais qu'ils sont méchants, moi tu vas les pardonner.
Jonas savait que lorsqu'il va prêcher la repentance, c'est un faux prédicateur. Lorsqu'il va prêcher la repentance là-bas, on va finir avec lui. Parce que c'est une nation réputée pour faire le mal. N'est-ce pas? C'est une nation réputée pour faire l'abomination. Tout ce qu'on appelle abomination. Lui, il dit, toi, quand tu vois le beau faire, moi, tu peux m'envoyer là-bas. Quand Dieu t'a envoyé des envois, imagine si Dieu nous envoie en Arabie Saoudite. Oh. Hein? Ah! Dit, oh, c'est ça! Le paresseux dit, le lion est dehors! Je ne sortirai pas. Il y a la pluie, je ne vais pas travailler. Est-ce que tu vas mourir de faim? Tu vas mourir de faim parce que tu vois le lion. Au lieu de voir le travail, quand tu as compris, toi tu vois le lion. Sans savoir que partout il y a des lions. Même dans tout ce que tu fais, il y a des lions. Même dans le ministère, il y a des lions. Les lions se représentent sous diverses formes. Il y a des lions un peu partout. C'est à toi de savoir que tu es Dieu à le lion de la tribu de Juda qui t'accompagne en toutes choses. Tu es plus qu'un lion. Toi aussi tu es un lion. Tu es un lion. Parce que tu es engendré par le lion des lions. Donc, il ne faut plus voir les problèmes. Il ne faut pas voir les situations qui sont devant toi. Fonce seulement si tu as des toits. Paul a dit quoi? Lorsque Paul avait reçu une mission, il était sur la mer. Et pendant cela, d'abord, lorsqu'ils ont mis sur la mer, ils m'ont annoncé qu'il y aura un naufrage. Mais Paul dit non, que celui qui l'a appelé ne lui a pas dit qu'il y aura un naufrage. À un autre endroit, Paul a été mordu par un serpent véreux. Quand on lui a dit tu vas mourir, Paul dit non, moi je ne le connais pas mort. C'est pourquoi dans le ministère, appelé à parler un langage des fils de Dieu. Un langage hôtel, un langage de personnes que Dieu a appelées, à qui tu as confié une responsabilité. Tu parles d'un langage des enfants. Qui est comme ça? Toi, on va finir avec toi. Si Dieu, si tu es un évangéliste, écoute très bien. Un évangéliste. C'est pourquoi si tu crois que l'évangélisation, le ministère d'évangéliste est le plus petit, tu es le plus malheureux de la terre. C'est un peu cela. Un évangéliste, si tu n'as pas de langage dur, tu es foutu. Parce que lorsque tu vas te présenter devant un sataniste dehors, qui va te lancer une parole, une malédiction, tu vas commencer à te présenter. En même temps, la malédiction t'appelle. Parce qu'il faut savoir, c'est dans ce que tu penses et ce que tu acceptes, ou ce que tu crois qu'on peut prévenir. Paul a dit non, Paul n'a même pas regardé le bénin, Paul ne savait même pas que quelque chose l'a mordu. Paul l'a juste retiré le serpent, l'a tué et l'a jeté. Parce qu'on lui a dit, même si boire quelques brevards mortels, cela ne leur fera aucun mal. Si nous boire les brevards mortels, à cause du nom de Jésus, ça ne te fera pas mal. Amen. Si tu vas boire quand même, tu vas mourir. Amen. Parce que d'abord, Dieu s'est dit, regardez, vous pouvez vous protéger. Alors, si c'est. Si Paul dit, notre capacité, nous, vient de Dieu. Donc, si tu vas boire toi-même, tu vas assumer les responsabilités. Donc, les conséquences naturelles, les conséquences de la nature vont agir sur toi. Mais si c'est au nom du Seigneur, au nom de Jésus que tu bois, cela, ça ne va pas rien sur toi. Mais si tu commences à avoir peur, imagine un sorcier te défie. Il te dit, tu vas mourir, tu t'aimes pourquoi tu vas mourir. Et toi aussi, tu as, en même temps, tu as la peur dans le cœur. Tu vas mourir. Ce n'est pas que la parole du sorcier est forte, est plus forte que ta. Ton Dieu, mais c'est parce que tu as montré la faiblesse devant le sorcier. Donc il faut être des hommes de Dieu parfaits, des hommes de Dieu faibles, des hommes de Dieu qui connaissent leur Dieu. Dieu n'a pas un langage de bébé, un langage des enfants, mais il a un langage solide, il a un langage dur, un langage faible. La dureté qu'on a mis en vous, ce n'est pas envers les hommes, mais c'est envers les esprits méchants. Lorsqu'il rougit, il t'a fait prendre. Et tu as peur de lui.
sais pas ce que tu as enlevé. Tu ne connais pas ce qu'on a dit sur toi, ce qu'on t'a donné. Désormais, parler l'engage des fils de Dieu dans le langage des enfants. Parler l'engage des personnes à qui tu comptes, sur qui tu comptes et à qui tu as confié les responsabilités. Quand tu seras un enfant, il y a des choses que Dieu ne fera pas avec toi. Mais lorsque tu décideras de ne plus être un enfant, Dieu va te trouver maintenant prêt à être utile à de bonnes choses, à de bonnes œuvres. Ephésiens 11, 4 à 6. On va définir. On va entrer dans une autre phase où je vais expliquer des choses. Parce que j'ai appris beaucoup de choses ensemble. Soyez bénis. Ecclésias chapitre 11, partie verset 4. Oui, vas-y. Verset 4 à 6. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui observe le vent ne sèmera point. C'est une parole de sagesse qui dit, celui qui regarde le problème ne travaillera pas. Celui qu'on appelle à servir Dieu et qui regarde sa personne ne travaillera pas. Mais s'il regarde à Dieu qui l'a appelé, il peut faire que je passe. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Oui. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Oui. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. C'est bon. C'est pour dire qu'il faut que tu travailles. Ne regarde pas le vent. Ne regarde pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Travaille sur le vent. C'est comme ça des hommes de Dieu parce qu'ils ont un complexe du fait que leur travail ne réussit pas. Ils travaillent mais ça ne réussit pas. Ils entrent dans une guerre. Une guerre qui n'a même pas de sens. Une guerre de pouvoir attaquer les autres ministères. De pouvoir attaquer les autres, de critiquer les autres. Les personnes qui veulent forger un ministère sur des critiques ou sur la base de faux témoins, des choses de ce genre, sont des personnes faibles d'esprit qui n'avancent et qui n'évoluent jamais. Il faut comprendre que même si ce que tu fais maintenant n'avance pas ou n'évolue pas, continue ce que Dieu t'a dit. Fais juste ce que Dieu t'a dit. Et en faisant ce que Dieu t'a ordonné de faire, ce que tu aimes le faire va avancer, va pousser. Donc, arrivé au moment du ministère, on sait bien que c'est important d'analyser. C'est important de voir et de voir si c'est nous qui sommes à la base de notre échec, si c'est nous-mêmes pour corriger les choses. Ça, c'est vrai. Mais s'il faut toujours se focaliser ou se regarder, le fait que ça ne marche pas, je fais, ça ne marche pas, ce n'est pas que tu es pas assuré. Tu pries, tu aimes Dieu, tu pries pour les malades ne sont pas guéris. Mais toi, tu ne continues pas, tu sais de prier pour les malades. Est-ce que tu vas guérir les malades une fois? Tu ne peux pas. Quand tu ordonnes aux démons, les démons ne savent pas quand tu ordonnes. Est-ce que c'est une excuse pour abandonner? Non. Est-ce que c'est une excuse? Non, tu peux analyser ta vie, analyser pour voir si est-ce que je n'ai pas péché ou si est-ce que je ne suis pas toujours avec Dieu ou est-ce que le démon n'a pas quelque chose, c'est vrai et tu corriges. Mais si après tout ça, tu ne sens rien qui change, c'est pas toi qui faut blâmer. Te blâme pas, continue seulement. Un jour, ça va se déclencher. Et ça sera une nouvelle saison que tu vas ouvrir dans ton ministère. Et dans cette nouvelle saison, il y aura seulement des guérisons et des délivrances. Parce que, à force de persévérer, on a tenu. Mais lorsque tu arrêtes, tu es comme tu es semblable à un papa, à un lâche, à quelqu'un qu'on a appelé, mais qui ignore ce qu'on lui a dit de faire. Continue seulement, travaille seulement. C'est ce qu'on t'a dit de faire, toi, fais-le. Ce qu'on t'a dit de faire, fais-le. Alléluia. Nous devons savoir que dans le ministère en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes appelés à être des gens responsables. Puisque nous sommes appelés à être des gens responsables, nous ne pouvons pas œuvrer pour servir Dieu sans la sagesse de Dieu. Dans le ministère, nous devons être à la hauteur de la responsabilité à l'égard de ce qu'on nous a confié. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es immature et que tu ne sais pas Dieu par la sagesse divine, ton ministère.
ministère sera détruit. Et ton ministère ne peut pas impacter ceux qui te suivent ou ceux que tu conduis, ceux que Dieu t'a confié. Donc la sagesse est une chose très importante. Il y a beaucoup, à cause du fait qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu et qu'ils déploient un zèle impur, un zèle qui n'est pas vrai, un zèle qui n'est pas un zèle qui n'est plutôt faux, ils ne manifestent pas réellement ce que Dieu a mis en eux et ils se trouvent être des immatures pendant qu'ils sont en réalité des sages. Donc il faut changer juste le langage pour commencer à employer un langage des hommes qui ont la maturité de Dieu. Les Écritures nous parlent de la sagesse. Et d'abord, pour avoir la sagesse, il faut copier le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est le vrai prototype même d'un ministère accompli. Dans tout le ministère de Jésus, il s'est manifesté la sagesse. Il avait du zèle. Comme on le dit souvent, le zèle de ta maison ne dévoile, n'est-ce pas? Mais son zèle ne fait pas un zèle impur. Il y a certains à cause du zèle qu'ils ont, ils veulent déplacer ce zèle. C'est-à-dire, mettre ce zèle qui n'est pas plus sur des hommes ou le manifester sur des hommes au lieu que ce zèle soit manifesté sur des esprits ou des démons. Dieu a mis une capacité ou un feu en vous. Et ce feu, vous devez l'appliquer uniquement sur les démons. Mais vous l'utilisez maintenant sur les hommes, ou sur les brebis, ou ceux qui vous sont échus. Et vous utilisez mal. Et c'est comme ça que votre ministère peut avoir beaucoup de problèmes ou peut être défaillant dans votre exercice. Alléluia. Donc vous devez comprendre que dans l'exercice du ministère, le zèle amer n'est pas transportable. On ne prend pas le zèle amer avec soi dans le ministère. C'est quoi le zèle amer? Le zèle amer est une manière de rendre ou de diffuser une information, non pas avec la réflexion de Dieu, non pas avec la maturité de Dieu, mais avec une impulsion. Et ceci qui vient de nous-mêmes, ou dans l'objectif de décrire, dans l'objectif ou le but de faire mal. Toi, tu peux te dire, je fais le bien fait, mais dans le message, tu es en train de travailler avec comme le Seigneur avec. Un homme de Dieu, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il œuvre, lorsqu'il travaille dans le ministère auquel Dieu l'a appelé, doit travailler avec la sagesse de Dieu, sinon il va détruire le ministère, il va détruire l'œuvre de Dieu, et il sera une perte pour le corps de Christ, et il sera aussi comme un épine qui travaille dans l'église. Et ceux qui ont le zèle amer dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, ne peuvent jamais faire face aux personnes compliquées, aux personnes difficiles à conduire, ou même difficiles à encadrer. Parce qu'avec le zèle amer, plus qu'ils déploient le zèle amer, plus ces personnes se rébellent contre eux, et ces personnes ne se soumettent jamais à eux. Donc il faut la sagesse. Il faut là où il faut avoir un zèle beaucoup plus tendu, mais il y a aussi les endroits ou les moments où il faut avoir un zèle beaucoup plus dur. Nous allons prendre le livre de Jean 15. Jean 15, 1. L'exemple de Jésus est le plus important pour nous parce que nous devons obéir, nous devons être des modèles du Christ dans l'exercice de notre fonction ministérielle. Jean chapitre 15, partie du verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus. Vous voyez comment Jésus emploie ce terme, il dit je suis. Non, il dit, bon, il a parlé de quoi? Il a dit, bon, le Père est le vigneron. C'est ça, non? Oui. Et lui, il est le cerf. Donc le Père a une autorité sur lui. Le Père peut le corriger. Le Père peut enlever ce qui n'est pas bon. C'est un bon exemple qu'il est en train de nous donner. Dans le sens où ce qui est un mauvais fruit en nous doit tomber, nous devons le
blessés, être coupés et être enlevés par le Seigneur. Parce que Jésus est désormais notre chef. Et tout ce qu'il a pris du Père, il doit le compléter. Donc un vrai ministre de Dieu doit avoir pour exemple le Seigneur Jésus-Christ dans l'exercice de son ministère. Tu es apôtre, vois comment Jésus opère dans l'apostolat. Tu es prophète, vois comment Jésus a opéré dans les révélations. Tu es docteur, vois comment Jésus enseigne. On dit qu'il enseigne avec une autorité qui n'est pas de ce monde. Tu es pasteur, vois Jésus comme étant le bon berger qui veille sur sa bergerie et sur le troupeau. Tu es évangéliste, vois le Jésus qui traverse les villes, qui traverse des nations et qui parle, qui appelle les gens à la repentance. Là, tu as grandi dans la maturité. Mais lorsque tu ne demeures pas en lui et que tu fais ce qui te plaît, c'est en ce moment que tu vas commencer à te perdre et à faire des choses qui ne sont pas dans la droiture ou même dans la règle. Donc un homme de Dieu doit savoir qui se tient devant une bergerie. Et dans la bergerie, il n'y a pas seulement des hommes matures, il y a aussi des faibles, il y a des personnes qui sont un peu matures, qui n'ont pas encore atteint la maturité totale, il y a aussi des personnes responsables et qui sont matures. Donc l'homme de Dieu doit savoir les nourritures qu'il va donner à chaque catégorie de personnes. C'est ça la sagesse. Tu ne peux pas venir devant des personnes qui sont faibles et parler comme un grand ou parler comme une personne responsable. Mais tu dois leur parler selon leur niveau de capacité. Mais leur apprendre qu'ils ne doivent pas demander comme ça. Il faut qu'ils grandissent parce que dans l'église, nous ne sommes pas appelés à être uniquement et seulement des faibles ou des bébés spirituels. Parce que l'église est faite pour nous faire croître et pour qu'on grandisse. Donc tant qu'on demeure enfant dans l'église ou dans le ministère, le but de l'homme de Dieu, c'est d'être. Non, je dis plutôt, quand quelqu'un brebis demeure enfant dans le ministère auquel nous sommes appelés, notre but, c'est de le forger, de travailler cette brebis pour qu'elle en grandisse. Mais à son niveau, nous ne pouvons pas lui donner des choses solides. Mais il y a des gens qui sont déjà passés parce que l'église, il y a comme une affluence des brebis qui viennent chaque jour. Donc il y a déjà certaines personnes qui ont reçu le lait et arrivé à un niveau, il faut qu'on leur donne une nourriture mieux adaptée. Donc le berger ou l'homme de Dieu doit savoir donner la nourriture appropriée, adéquate à chacun pour vraiment être le bon enseignant. Nous ne pouvons pas donner tout type d'enseignement à tout le monde parce qu'il y a des enseignements dans la Bible qu'on ne doit pas donner à tout le monde, mais qui sont justes. Réservé à certaines catégories de personnes. L'apôtre dans le livre de Hébreux, c'est qu'il dit, vous qui devez être des maîtres, aujourd'hui vous vous retrouvez à être comme des enfants. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont des professeurs, qui sont des serviteurs de Dieu, ont toujours appris à boire le lait, à manger du lait, à manger des nourritures légères, des nourritures qui ne sont pas solides. Et ils ont demeuré comme étant des enfants, et ils enseignent aussi d'autres. Donc le ministre de Dieu, lui, doit grandir, lui doit être mature. Et puisqu'il est mature, il sait ce qu'il donne à la brebis qui a 10 ans, à la brebis qui a 15 ans, à la brebis qui a 30 ans, à la brebis qui a 50 ans. Parce que lui, selon Dieu, il a appelé à dépasser tous ses niveaux. Je ne sais pas si vous comprenez, pour savoir quoi donner. Mais tout cela se puise en Jésus. Toutes ces forces, toutes ces capacités de pouvoir transmettre, de pouvoir enseigner se trouvent en lui. Voilà pourquoi dans Jean-Christ il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez de bons fruits. Et si vous demeurez en moi, les fruits qui ne sont pas bien, et que vous portez, ils sont en vous, je les retoucherai, je vais les enlever. Donc notre modèle le plus parfait, c'est le Seigneur Jésus. Et nous savons que le Seigneur Jésus avait œuvré par une sagesse. Plus que non, pas plus sagesse impure. Dans Philippiens 2, 5 à 9, on nous demande, d'avoir en nous des pensées qui étaient en Christ. N'est-ce pas? Et ce n'est pas les pensées qui étaient en lui qu'il a pu exercer son ministère. Et il a exercé dans l'humilité. Et après l'exercice de son ministère, Dieu l'a élevé dans la gloire. Donc nous aussi, nous sommes appelés à avoir en nous les pensées qui étaient en Jésus. Jésus était quoi? Jésus était le bon berger. Dans Jean 10, il dit, le bon berger donne sa vie pour
voix, il va épancher sa force, la soif forte et il va aussi se rassasier. Donc il s'est décrit lui-même en termes de pourvoyeur de la maison. Donc vous êtes les maîtres de la maison. Vous êtes les pourvoyeurs de la maison. Et vous devez pourvoir à tous les besoins des brebis et de chaque brebis. Parce que vous êtes appelé à identifier exactement ce dont a besoin les brebis que le Seigneur va vous confier. Donc il ne sert à rien de montrer qu'on est puissant, de dire qu'on est fort, si le but pour lequel on a été envoyé ne sont atteints. Ou pour on n'est pas puissant en Dieu lorsqu'on n'accomplit pas ce que le Seigneur nous a dit de faire, ou lorsque les brebis ne se sentent pas satisfaits de leurs besoins. Donc s'ils ont des besoins, qu'ils sont pour toi une charge, parce que les besoins du peuple, c'est la charge du peuple, du ministre. Les droits du peuple sont les devoirs du ministre. Et les droits du ministre sont aussi les devoirs du peuple. Est-ce que vous savez cela? Les droits du peuple, ou le droit du peuple est le devoir du serviteur de Dieu. Et le droit du serviteur de Dieu est le devoir du peuple de Dieu. Je vais expliquer. Quand le peuple a besoin de quelque chose, c'est un droit. Quand le peuple a besoin de l'accompagnement, de la prière, c'est son droit. C'est le droit du peuple. Et toi, c'est ton devoir. Tu dois le faire. Donc, en aucun cas, en tant que homme de Dieu, lorsqu'on te sollicite dans ton ministère, tu ne dois dire non ou donner des excuses comme ceux qu'on vient de voir. Tu es un enseignant. Il faut enseigner la parole de Dieu lorsque le besoin se fait sentir. Tu es un prophète. Tu dois dire ce que le Seigneur te dit sur la vie de quelqu'un. Parce qu'un prophète doit développer les dons de révélation que Dieu a placé en lui. C'est très important parce que c'est pas ça qu'on va t'identifier. Si cela manque, c'est très grave et c'est un peu absurde de porter le nom de prophète. Si tu es pasteur, tu dois être comme un père pour les bergeries, la bergerie pour les brebis plutôt. Tu dois savoir en garder les âmes. Donc en retour, toi aussi tu as des droits. Le peuple doit se soumettre à toi. Le peuple doit aussi te bénir par aussi les dons. Parce que la parole parle dans un projet de la foi du droit de prédicateur. Ce droit nous permet en réalité de prendre même chez les brebis ou de dire aux brebis de nous soutenir, mais nous ne le faisons pas à cause du fait que nous ne voulons pas abuser des brebis. Et ça, la parole a bien dit, j'aime le droit de prédicateur, parce que celui qui prêche l'évangile doit vivre par l'évangile. Mais je ne suis pas tenu de vous raconter parce que ce n'est pas un abus, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une excuse pour vous prêcher, pour vous prendre de vous. Donc c'est son droit. Et les brebis doivent avoir le savoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'homme de Dieu doit être toujours disponible pour ce à quoi on l'a appelé. Lorsque ton ministère a un problème dans l'église, lorsque ton ministère a une faille, tu es touché, tu vas te lever pour pouvoir répondre aux besoins de ton ministère. Lorsqu'il y a une défaillance au niveau de la doctrine, toi en tant qu'enseignant, en tant que docteur, tu dois faire quelque chose. Et cela, ce n'est pas avec les ailes, amen, mais à faire pour les études. Quand une brebis se sent malade, tu parles de la maladie du corps d'abord. Quand une brebis, tu sens une brebis, ou que le troupeau est en danger, toi, pasteur, tu dois lui porter garant, parce que tu es le garant de la maison, tu es le maître de la maison, tu dois te porter garant. Et tu dois accepter souffrir pour les autres. Donc vous devez accepter souffrir aussi pour les autres. Accepter souffrir pour le peuple. Accepter être lapidé pour le peuple. Accepter que le peuple même vous lapide. Est-ce que vous comprenez? Le peuple même va vous lapider à un moment. Le peuple même vous avez servi. Donc vous devez accepter toutes ces choses. Parce que servir Dieu, c'est accepter le bon, accepter le pire, accepter tout. Mais savoir que c'est Dieu qui détient ce qui nous, le dernier mot sur notre vie et qui détient la finalité de ce qui nous arrivera. Donc nous ne devons pas avoir le zèle amer dans l'exercice de notre ministère. C'est bien fait. Ce n'est pas à dire que l'homme de Dieu est parfait
dans toute sa nature d'homme. Non, l'homme a aussi certains défauts qui sont en lui. A aussi certaines choses qui doivent corriger. Parce que comme vous êtes là, vous avez des choses que vous devez corriger. Parce que lorsque Dieu vous a appelé, comme je vous le dis, il vous a appelé avec un handicap. Et il y a beaucoup de secteurs de Dieu dans les Écritures qui ont œuvré pour travailler avec Dieu avec des handicaps. Je peux me prendre l'exemple de l'apôtre Paul, qui est un grand secteur de Dieu. Il avait un grand handicap. Et ce handicap, c'était quoi? C'était quoi? Les charges. Les charges. Non, c'est pas ça, c'est pas les charges. Je ne veux pas parler de les charges. Ah, la colère. Quoi? La colère. Oui, la colère, oui, la colère, la colère. La colère, c'est aussi là. Mais il a exercé un ministère solitaire. Il est l'apôtre qui a exercé un ministère le plus douloureux, le plus difficile. Pas que Dieu l'a permis, non. Mais à cause de lui-même, ces défauts qui sont en lui. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez Marc, non, pas Marc, l'Acte, le livre de Acte, je vais prendre l'exemple de Barabbas et de Marc avec Paul. Arrivé un moment, Paul ne s'entendait pas avec Barabbas sur certaines choses à cause de Marc qui transportait, parce qu'ils viennent de quitter le concile de Jérusalem. Ils ont fait l'Acte 15, n'est-ce pas? Ils ont fini cela et Barabbas dit à Paul, amenons-le. Mais Paul dit non, il nous avait quitté. Il nous avait quitté, donc nous n'allons pas le prendre. On peut aussi dire que c'est la colère. C'est aussi la colère. Ou l'égoïsme, ou bien l'égocentrisme. Ça veut dire quoi? Dans le ministère, vous n'êtes pas appelé à tout centrer sur vous. Paul était grand. Monsieur a joué beaucoup avec son ministère. À la fin de son ministère, il appelle Barnabas et lui dit qu'il lui a envoyé Marc. Qui sait ça? Tu sais ça, non? C'est parce qu'il a fait assez d'erreurs. Il a commis assez d'erreurs dans son ministère. Il a beaucoup souffert. C'est pourquoi vous devez comprendre les choses. Les persécutions ne viennent pas seulement parce que tu sais Dieu. Les persécutions viennent aussi à cause du manque de sagesse. À cause du fait que tu dépenses la mer. On va te tuer, mais tu n'es pas à cause du fait que tu sais Jésus qu'on t'a tué. Mais parce que tu as servi Dieu sans la sagesse. Et on va te tuer pour cela. Donc il faut savoir que le manque de sagesse est aussi grave plus que toute autre chose. C'est pourquoi Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, il demande à Dieu de lui accorder. Et Dieu va lui accorder. Parce qu'on ne peut servir Dieu sans étant sage ou n'ayant pas la sagesse en nous. Donc chacun d'entre vous doit travailler ses caractères. Parce que l'un des ennemis d'un homme de Dieu, c'est sa personne, c'est lui-même, son caractère, sa manière de faire, sa manière d'agir. Un homme de Dieu peut guérir des malades, il va accomplir les mêmes choses. Mais à cause de son caractère, son ministère va être détruit. Lui-même, il disperse les ennemis à cause de son propre caractère. Il y a des hommes de Dieu, il fait Dieu le travail, il sait Dieu devant le peuple, les gens crient. Oh, il est fort, il est puissant. Mais lorsqu'il entre dans sa maison, il entre dans sa chambre, c'est avec des pleurs. Il pleure. Pourquoi? Il a une carence qu'il n'a pas pu corriger et qui est resté avec lui, qui est resté sur lui jusqu'à la fin. Vous allez comprendre, dans l'histoire biblique, l'apôtre Paul, même ayant travaillé avec beaucoup d'autres serviteurs de Dieu qui l'ont accompagné, était le plus Jésus ou était le plus connu. N'est-ce pas? C'est pas parce qu'il était le seul qui travaillait, mais il était beaucoup plus, il se mettait beaucoup plus en avant. Ce n'est pas que je bénis l'apôtre Paul, mais c'est des caractéristiques, des choses qui peuvent te poursuivre toi-même dans le ministère. Être le plus devant ou vouloir occuper la première place. Quand les miracles se produisaient, c'était toujours le nom de l'apôtre Paul. Et à cause de toutes ces choses, il a décidé de s'envoler seul. Il était arrivé à un moment où il était seul. Et il a connu assez de difficultés. Assez de difficultés. Et c'est à la fin qu'il dit j'ai besoin de Marc parce qu'il doit me servir. Il était resté seul avec Timothée. Il était son fils. Et c'est là qu'il commence à apprendre à Timothée. Or, Timothée était un enfant. Or, Marc était déjà âgé. Parce que Marc faisait partie
de la catégorie des premiers qui ont commencé des missions. Donc à la fin, on a compris qu'il n'y a pas en réalité de bonheur à parler avec elle ou bien à agir, à se séparer ou à se diviser et tout ça. Non. Arrivé à un certain niveau du ministère, on met de côté ces petites choses. Parce que ce sont des choses, c'est comme des rides qui se trouvent sur vous, sur vos vêtements sacerdotales et qui vont vous empêcher d'accomplir ce que Dieu vous a dit de faire. Des petites querelles, des petites choses qui divisent les hommes de Dieu, des petites choses qui divisent les bergers et qui maintenant donnent une répercussion sur le peuple, qui disperse le peuple. Parce que lorsque les bergers sont en conflit et sont divisés, le peuple aussi est touché. Et tout ça arrive lorsque les bergers, ou l'un des bergers n'est pas mature et n'est pas encore délivré de l'immaturité. Il entre en conflit avec ses frères. On ne sait pas qu'en réalité, ensemble, ils sont plus forts. Ensemble, ils sont plus forts. Mais quand il sera seul, il sera faible. Tu peux être le plus grand parmi eux. Lorsque tu es seul, tu es le plus faible. Parce que le plus petit même, il, avec son rôle qu'il joue, il est plus fort que toi. Parce que si lui ne te tient pas, tu ne peux pas avancer. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens qui ne peuvent pas exercer un ministère seul ou un ministère solitaire. Parce que lorsqu'ils vont s'engager, ils vont tomber. Or, lorsqu'ils se retrouvent avec les autres, avec les frères qui sont forts et puissants, ce n'est pas qu'ils sont les plus forts, mais parce que Dieu leur a donné un ministère beaucoup plus actif, ou un ministère où une tâche où il doit être beaucoup plus vue. Mais ceux qui sont en arrière-plan sont ceux qui soutiennent son ministère. Donc ne permettez jamais que l'immaturité, ça je ne parle pas d'orgueil, c'est l'immaturité, c'est le fait de ne pas avoir et ne pas être responsable et mature pour commencer ces gens d'espère qui sont des erreurs, qui détruisent les ministères, qui détruisent les vies, qui détruisent même le peuple de Dieu. Ou un homme de Dieu qui se comporte mal devant le public, qui se comporte mal devant le peuple. Et s'il n'a pas le témoignage. Donc veillez aussi à votre témoignage et à la réputation que vous donnez au peuple que vous conduisez. À ce niveau, je ne veux pas lire trop le verset parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas le verset, c'est très long, c'est un enseignement assez long. Si on va vous suivre dans le verset, on va dire beaucoup de choses et on ne pourra pas réellement en finir. Mais ce sont les conseils que je trouve à vous dire. Comprendre réellement qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Le Saint-Esprit lui-même, étant le frère enseignant, va vous enseigner le reste et va vous dire tout ce que vous pouvez rencontrer en chemin. Mais vous devez savoir qu'il y a un long parcours qui se présente à vous, qui se dresse devant vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui est dit à faire le Seigneur Jésus. Alléluia. Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Très bien. Un homme de Dieu, avant de poser une action, doit beaucoup réfléchir. Avant de faire quelque chose, la réflexion, tu vas faire appel à la réflexion. Sinon,
tu vas être le plus misérable des hommes de Dieu de la terre. Si c'est seulement ce qui vient dans ta tête, une inspiration que tu fais, quelque chose que tu fais, au lieu de stabiliser, de réfléchir, de demander au Saint-Esprit, si ce que tu veux faire est selon les normes, tu vas échouer dans l'exercice de ton ministère. Et tu ne peux jamais conduire le peuple de Dieu. Tu ne peux même pas conduire la public. Parce que ce n'est pas la sagesse et pas la réflexion qu'on conduit le peuple qui nous est soumis, qu'on conduit les enfants de Dieu qui nous ont échoués. Donc celui qui n'a pas la science de la réflexion, qui ne détient pas la science de la réflexion, ne peut pas aller loin dans son service pour Dieu ou dans son ministère. Donc vous avez besoin de la sagesse et de la réflexion surtout. Parce que la réflexion fait partie des éléments du discernement, des éléments qui vous permettent de discerner des choses. Si vous n'avez pas la science de la réflexion, qui amène au discernement. Donc il peut avoir un démon dans ton église ou dans la bergerie qu'on t'a confié, tu ne sauras même pas qu'il y a un démon. Et tu vas même le nommer, il sera avec toi, il va te conduire un peu partout, mais il sera un démon en chair ou un esprit envoyé pour te détruire. Donc le discernement de Dieu est très important en toute chose. Je vais vous demander de lire chez vous le livre de Jacques 3. Vous allez lire Jacques 3 pour comprendre à beaucoup de choses sur la sagesse, sur la maturité. D'ailleurs, vous allez lire tout le livre de Jacques. Parce que Jacques a beaucoup parlé de la sagesse et de la maturité. Et vous allez lire aussi. Ça, c'est comme un exercice. Le livre de 1 Pierre et de 2 Pierre. Pour finir, nous allons prendre 1 Pierre. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. C'est un élément très important. 1 Pierre 5. C'est comme des exhortations qui ont été données par l'apôtre Pierre à ceux qui sont les anciens et qui sont les ministres de Dieu. 1 Pierre 5. Écoutez, il faut bien dire. Il faut bien dire avec une voix de côté. 1 Pierre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin de souffrance de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est contraint, c'est une contrainte, ça devient un fardeau que vous allez porter toute votre vie. Mais quand ce n'est pas une contrainte, vous le faites avec un cœur pur, un cœur sincère, avec une volonté, alors vous le faites bien et vous servez bien Dieu. Hein? Non pour un don sordide. Non pour de l'argent. Quand je parle de la gloire, ça fait partie. Non pour de l'argent. Mais avec dévouement. Mais avec sel. Le dévouement dont je parle ici, c'est le sel pur et non le sel amer. Hein? Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Je dis souvent qu'un leader n'est pas le leader lorsqu'il essaie de montrer qu'il est leader. Mais un leader est leader lorsqu'il donne l'exemple aux autres. Lorsqu'il est un modèle, c'est là le respect. Je n'ai pas besoin de crier sur vous pour vous dire respectez-moi. Ou essayer de faire des choses pour imposer le respect. Non. Parce que le respect s'impose lorsque soi-même on s'apprend, soi-même on se corrige. Donc vous êtes des personnes qui sont appelées à gouverner, à diriger. Vous devez avoir ce côté. Vous devez être de bons leaders, des personnes qui imposent le respect et qui ne dominent pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. On n'a pas le peuple de Apollos, ni le peuple de Paul, ni le peuple de n'importe qui ici. Non, c'est le peuple de Dieu que nous sommes appelés à conduire. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne de la gloire.
La mort de la gloire est là. C'est comme ce que j'avais dit dans 1 Timothée 3, 13, où si tu exerces convenablement ton ministère, où tu exerces dans la vérité et selon ce que Dieu a déclaré sur toi ton ministère, tu seras accrédité. Tu auras l'assurance de ton salut. Donc celui qui exerce bien son ministère et qui le fait selon la sagesse de Dieu, il a la couronne de vie qu'il attend. Celui qui exerce dans le désordre, il exerce le ministère comme un impie, comme quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation, qui ne sait même pas parler aux gens, qui n'a pas le caractère, qui n'a pas le charisme, qui n'a aucune chose de toutes ces choses, aucun élément de ces choses, celui-là, il est disqualifié pour le ministère. Mais Dieu nous a appelé à dire ces choses en vous pour que vous soyez un modèle. Donc soyez un modèle pour la bergerie, soyez un modèle pour le troupeau sur lequel vous avez été établi. Chacun a été établi dans un ministère différent et il doit être modèle de son ministère. Et Dieu lui fera croire ce qu'il va semer. Semer seulement, planter seulement, agissez. Paul dit, Paul a planté. N'est-ce pas? Apollos a fait quoi? Et Dieu a fait quoi? Tu as fait quoi? Donc planter. Il y a des gens parmi vous qui sont appelés pour planter. Donc que celui qui plante ne regarde pas celui qui arrose comme étant le plus fort. Et que celui qui arrose ne voit pas qui est le plus fort. Mais que chacun se regarde comme étant une complémentarité de l'autre. Et que l'autre se regarde aussi étant comme un atout ou comme étant un appui de l'autre. Donc autant que vous n'êtes pas les garants, vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes tous les personnes en qui Dieu compte. Et c'est lorsque vous allez rester en humilité que vous allez faire la tâche que Dieu vous a donnée. Donc ça ne sert à rien de montrer un caractère dur envers les brebis, de parler avec dureté envers les brebis pour imposer le respect. Lorsque toi-même, tu montres que tu sais Dieu convenablement dans ton ministère, les brebis vont te respecter. Donc quand tu as des problèmes de respect des brebis ou des brebis dures qui ne te respectent pas, d'abord il faut toi-même te regarder pour voir si toi-même tu respectes Dieu. Parce que j'ai dit, pour réclamer le respect, il faut aussi donner du respect. Si tu ne donnes pas de respect, ne réclame pas le respect. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai bien dit au début que le Saint-Esprit lui-même va nous éclairer et va nous dire exactement ce que nous pouvons. Et si le Seigneur le permet, nous reviendrons encore pour d'autres choses pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Jésus.